à trois. En fait, il s'agit d'une sorte d'atelier débat qui pose un certain nombre de questions dans une approche pluridisciplinaire et qui aborde à la fois des problèmes de la biologie dans un cadre scientifique, technologique, mais aussi philosophique. Et je ne peux qu'applaudir aujourd'hui cette approche et cette interaction entre trois conférenciers qui ont beaucoup travaillé et interagi ensemble pour nous présenter aujourd'hui cette approche et cette vision de l'harmonie et de la disharmonie du vivant. Je voudrais vous présenter donc ces conférenciers, Monsieur Hafed Abdelmlek, qui est docteur en médecine vétérinaire et en physiologie. Il est professeur de physiologie animale à l'Université de Carthage, notamment à la Faculté des sciences de Bizerte, et ses travaux de recherche portent sur les effets biologiques des ondes électromagnétiques, l'étude des nanocontaminants dans le système biologique, l'effet du stress émotion sur la santé. Il a travaillé à la synthèse des boîtes quantiques, à la supraconductivité dans le système nerveux et proposé un modèle d'intelligence émotionnelle. Donc vous voyez déjà où va se situer le débat par rapport au profil de notre premier conférencier. Notre deuxième conférencier est le professeur Wajdi Souilem, qui est docteur en médecine vétérinaire aussi et professeur de physiologie thérapeutique à l'École nationale de médecine vétérinaire de Sidi Tebet. Il a obtenu sa thèse de doctorat d'université en pharmacologie à l'Université de Nantes en 1998. Il est professeur fondateur de l'Association tunisienne des animaux de laboratoire et responsable de la région Afrique au sein du Conseil international des sciences des animaux de laboratoire. Il assure l'enseignement de l'éthique des relations homme-animal dans les universités tunisiennes et il a été aussi vice-président de l'université de La Manouba. Avec ce profil extrêmement riche, nous avons aussi celui de Madame Souad Kamoun Chouk, qui est maître de conférence donc à l'université de La Manouba. Ses études de DEA ont été réalisées à l'ULB et ils lui ont permis d'orienter ses recherches vers des systèmes d'information coopératifs. Sa recherche doctorale à Grenoble en management des systèmes intelligents a été consacrée au design de méthodes de création collective de sens fondés sur des heuristiques de découverte structurées par des outils logiciels. Donc, on est dans un autre domaine qui est plus le domaine de l'informatique et du management. Et ses travaux actuels s'articulent autour de deux axes, la gouvernance des systèmes intelligents coopératifs, de veille et de gestion de connaissances et des pédagogies actives d'apprentissage avec le numérique. Madame Chouk a été pendant plusieurs années, durant deux mandats, directrice du département des sciences à Bayt el-Hikma. Donc, avec ce panel de conférenciers, je souhaite aux participants beaucoup de plaisir à écouter nos conférenciers et je donne tout de suite la parole à Monsieur Hafed Abdelmlek qui va un petit peu vous présenter cette matinée, et j'espère extrêmement enrichissante. Je voudrais quand même dire deux mots, c'est que nous sommes à Bayt el-Hikma, une académie pluridisciplinaire, et le fait d'avoir une réflexion justement pluridisciplinaire et intégrer cette démarche dans notre réflexion et dans notre travail quotidien est non seulement quelque chose d'important qui fait partie des missions de l'académie, mais qui actuellement en sciences sont devenues une nécessité. On ne peut plus travailler dans
dans son petit coin, dans sa petite spécialité ou sa petite discipline, en faisant abstraction de ce qui se passe ailleurs. Et justement, l'enrichissement et le progrès et l'innovation se font à travers justement ces combinaisons d'intelligence différentes. Je vous remercie et je vous donne la parole. Merci beaucoup, professeur Amel Gaï. Donc, cette matinée, elle aborde un thème général très intéressant et innovant, l'harmonie et la disharmonie du vivant. Et nous avons trois présentations. La première présentation, c'est sur l'harmonie, la mélodie et la beauté. La deuxième présentation, présenté par professeur Wajdi Souilem sur le concept One Health, est-ce que c'est une émergence ou une résurgence? Et la troisième conférence va être présentée par madame professeur Souad Chouk, qui va traiter le vivant à la confluence des disciplines. Bien sûr, nous avons travaillé avec une approche pluridisciplinaire, dans le but de développer une vision philosophique qui pourrait apporter une valeur ajoutée dans le domaine de l'enseignement en général, du primaire au supérieur, l'animation de la société et de la ville en général, et elle peut constituer une nouvelle orientation stratégique de notre académie Bayt al-Hikma. Donc, je vais commencer la première présentation, donc sur l'harmonie, la mélodie et la beauté. Donc, nous avons choisi ces trois concepts. Le concept le plus important, c'est le concept d'harmonie qui va être annexé à la mélodie et la beauté. Et ben, pour comprendre cette démarche, il faut commencer par le début, c'est-à-dire par le Big Bang, et on voit que globalement, l'univers est formé à peu près de 3,6% de matière, et la matière n'est autre que de l'énergie condensée, et le reste, c'est de l'énergie. Donc, dans cette énergie, il doit y avoir suffisamment d'informations, il y a des bruits audibles et des bruits non audibles, par exemple par les trous noirs. Et il y a bien sûr l'apparition des deux grandes familles, la famille des prokaryotes et la famille des eukaryotes. Et bien sûr, on peut parler et se poser pas mal de questions par rapport à la programmation de la vie. Est-ce que réellement c'est le fruit du hasard ou il y a un programme ou des algorithmes qui ont permis l'émergence de la vie. L'univers, eh ben, il fonctionne avec une composante importante électromagnétique. Et si on regarde de tout près les effets biologiques de ces ondes électromagnétiques, on peut traiter le cas le plus simple. C'est l'effet de la lumière du soleil qui est l'onde électromagnétique naturelle, qui influence le comportement animal, humain et le comportement des végétaux. Et il doit y avoir, bien sûr, plusieurs mécanismes dans ce type d'interaction. Si on prend l'effet des ondes électromagnétiques sur la cellule animale, eh ben, l'onde électromagnétique agit au niveau de la membrane cellulaire où se trouvent des chaînons de protéines. Ces chaînons de protéines accomplissent un triple rôle, la détection de l'onde, l'amplification de l'onde et la transduction de l'onde. Et ces mécanismes pourraient conditionner d'une manière précise l'évolution du vivant. À côté de ça, le repliement de protéines et la structure tridimensionnelle de protéines joue un rôle très important dans l'émergence du vivant. Donc, une des questions majeures dans ce domaine, est-ce qu'il existe des canevas électromagnétiques
qui joue un rôle très important dans le repliement de protéines et l'apparition de cette conformation tridimensionnelle. Et d'ailleurs, nous avons l'exemple qui n'a pas vraiment de réponse claire, c'est la conversion de la protéine normale des prions, le PRPC, en protéine malade, qui le PRPSC pour scrapie en anglais, c'est-à-dire tremblement. Donc, vous voyez que l'univers fonctionne avec plusieurs composantes visibles et des composantes invisibles, et où on va retrouver la mélodie avec les bruits aussi audibles et non audibles. Par exemple, les rongeurs fonctionnent avec les infrasons. On n'arrive pas à les écouter. Et la beauté, elle est décrite par le phi, qui est le nombre d'or. Et il y a bien sûr la suite de Fibonacci qui s'intègre dans l'analyse et l'étude du vivant. On développera tout ça après. Cette démarche d'étude de l'harmonie, de la mélodie et de la beauté peut être un maillon indispensable pour le développement des nouvelles orientations dans l'enseignement des enfants ou des adultes par rapport à la méthodologie du STEM Education pour Science, Technology, Engineering, Math. Donc, si on veut travailler sur le développement de ces disciplines, il est très important de développer une lecture analogique de la nature et d'intégrer l'harmonie. Il y a plusieurs questions qui pourraient se poser dans l'étude du vivant. Nous avons l'habitude de présenter des cours ou des TP sur les vivants en général, mais peut-être la partie qu'on ne développe pas suffisamment, c'est les algorithmes cachés dans le vivant. Pourquoi notre cerveau perçoit la beauté? Il perçoit la beauté parce qu'il lit parfaitement les rapports. Et quand les rapports nous donnent le nombre d'or de 1,618, eh ben, la conclusion, c'est que c'est beau. Donc, il faut intégrer dans nos manuels d'enseignement la démarche algorithmique de l'analyse du vivant. Et ça va apporter une valeur ajoutée de notre vision et elle facilite aussi la non-compartimentation du savoir. Si on essaye maintenant de regarder les applications de l'harmonie, eh ben, la majorité des études psychologiques, par exemple, montrent que les patients qui observent 30 minutes ou 1 heure par jour la nature, leur santé s'améliore rapidement par rapport à un lot témoin qui est mis dans une chambre d'hôpital. Et les enfants qui vivent dans un environnement naturel où on peut créer des parcours de savoir, eh ben, ils peuvent accéder à ces sciences de STEM. Donc, ils ont plus de facilité à comprendre les mathématiques, de comprendre les sciences de l'ingénieur. Et du coup, c'est une méthodologie de travail d'intégrer l'harmonie, la mélodie et la beauté. Bien sûr, j'ai présenté à peu près les concepts clés dans une publication sur le STEM Education and Nature, From Neuroscience to Nanoscience. C'est une vision un peu entre l'organisation du vivant et la perception du cerveau, parce que la perception, c'est la formation d'images mentales, et on doit travailler sur ça, parce que parfois, on présente des données, mais la perception de l'apprenant, elle est totalement différente. C'est pour cette raison, prendre un cadre philosophique d'harmonie, de mélodie et de beauté peut contribuer à la création d'une valeur ajoutée dans nos structures d'enseignement. Si maintenant on essaye de se rapprocher du vivant, on va retrouver qu'il utilise l'approche ou le concept bottom-up. Et ben, à l'échelle atomique, et ben, pratiquement, on ne va pas voir le vivant. Ça ressemble à d'autres
matériaux aux biomatériaux, et on voit qu'il y a un accroissement de la complexité. L'atome va donner des molécules, des macromolécules, des organelles comme la mitochondrie qui est responsable de la production de l'énergie, des tissus cellulaires, des organes et des organismes. Donc l'approche, c'est une approche, la nature fonctionne avec l'approche bottom-up et le vivant en général, il fonctionne avec l'approche bottom-up. Donc, si on essaye maintenant de voir, est-ce que réellement il y a l'approche top-down? Oui, il y a l'approche top-down. Eh bien, quand on va consommer un aliment et les former, le premier aliment, c'est l'eau, et on peut parler des heures et des heures sur l'eau, pour aborder une problématique de l'eau en dehors de la formule H2O, parce qu'on est piégé par cette formule H2O et on s'arrête. Donc, il faut développer un savoir. Comment aborder la problématique de l'eau en dehors de la formule H2O? Eh bien, le reste de notre ration alimentaire, quelque part, elle est végétale ou animale. Eh bien, la dégradation de l'aliment en acides aminés ou en acides gras, c'est une approche top-down. Donc, la nature, elle fonctionne avec une boucle bottom-up pour la fabrication, entre guillemets, ou la nano-fabrication des tissus. Et l'approche top-down pour la préparation des ingrédients nécessaires à la formation de ces organes. Et cette machine, elle fonctionne en parfaite harmonie. Donc, l'harmonie aussi, elle est très importante parce que l'harmonie, on va voir, elle dépasse la notion d'équilibre. Cette harmonie, on va la retrouver dans les écosystèmes en général, et on peut proposer des rapports entre eucaryotes et prokaryotes quand il est à peu près, c'est un équilibre instable, quand il est proche de 1. Généralement, on a la bonne santé de l'écosystème, de la santé animale et de la santé humaine. C'est pour cette raison, ce rapport entre les bactéries et ce monde prokaryote est indispensable et l'eau joue un rôle majeur dans cette homéostasie générale. Maintenant, il y a quelque chose qui va de pair avec l'harmonie, c'est les émotions. Eh bien, le E, c'est les émotions, le T, c'est le temps, et le I, c'est l'idée, l'intelligence ou l'innovation. Donc, il y a l'écoulement des émotions, et la thermodynamique en général décrit parfaitement l'écoulement de l'énergie. Il y a l'écoulement du temps, mais ça, c'est le temps psychologique. Et en fonction de l'écoulement des émotions dans le corps ou dans l'environnement, et la qualité de l'écoulement du temps, on peut générer des idées, générer de l'innovation. Donc, si on veut travailler sur l'émergence de l'idée, de la pensée et de l'innovation, il faut commencer par notre travail sur le bilan émotionnel des personnes et le bilan émotionnel des groupes. Et indépendamment de l'écoulement, on a deux scénarios. Le premier, un écoulement très calme, mais il y a une conversion. Parce qu'en fin de compte, on va voir dans l'équation, l'intelligence ou l'innovation, elle résulte d'une conversion des émotions en intelligence. Donc, on va pas retrouver un seul modèle, on va retrouver plusieurs modèles, mais on peut retrouver des modèles différents, mais qui fonctionnent en harmonie. Mais c'est le temps psychologique qui permet de décrire l'harmonie et la rupture de l'harmonie, parce qu'il n'y a pas de machine qui peuvent détecter la qualité de l'écoulement du temps en dehors de notre système nerveux central, c'est-à-dire l'encéphale. Donc, si on veut créer des séances de brainstorming ou l'émergence des idées de l'innovation, eh ben, l'output, c'est l'idée, mais en fin de compte, le travail des enseignants, le travail des décideurs,
c'est de créer des open space où il y a le maximum d'épanouissement et de plénitude. Si on ne crée pas l'épanouissement et la plénitude, eh ben c'est très difficile de générer de l'intelligence et de l'innovation. Eh ben, si l'intelligence est une conversion des émotions, cette équation, elle décrit ça en fonction du temps et en fonction des émotions à la puissance alpha. Eh ben, la valeur des alphas peut être positive et ça décrit l'harmonie. Quand les alphas, ça prend des valeurs négatives, généralement, ça décrit la disharmonie. C'est pour cette raison, le calcul d'un bilan émotionnel d'un amphi ou d'une réunion doit être globalement émotionnellement positif et on parle d'émotion globale. Elle peut être calculée à l'échelle d'une communauté ou à l'échelle du globe et on parle d'émotion globale. Et généralement, l'émotion globale, elle conditionne l'arrivée d'autres événements et généralement les crises sanitaires et les crises économiques et les conflits et les guerres sont généralement précédés par une émotion globale négative. Donc, travailler sur l'harmonie passe bien sûr via notre cerveau. Et si on essaie de regarder maintenant le développement du système nerveux, eh ben, on va retenir qu'il y a un développement du câblage, parce que le système nerveux est un système câblé et ciblé. Et ce câblage, c'est le câblage qui est intelligent, parce qu'il n'y a pas de zone d'intelligence dans le cerveau, mais le câblage est intelligent. Donc, ce câblage, on va retrouver des faisceaux courts, le faisceau longitudinal supérieur, inférieur. On va retrouver le faisceau longitudinal supérieur, qui est le faisceau arché, c'est-à-dire le faisceau qui est le support du circuit de langage. Mais le plus important, c'est le mode de conduction et de traitement de l'information dans le système nerveux qui passe par une autre harmonie. Dans le management de l'énergie en général, le management du temps et le management de l'espace. Eh ben, ce mécanisme qui a permis l'émergence de l'intelligence par l'amélioration du traitement de l'information, c'est un mécanisme de supraconductivité, et c'est-à-dire une conduction électrique avec une résistance nulle ou presque nulle. Donc, si on essaie de regarder le comportement supraconducteur dans le système nerveux de plusieurs espèces, eh ben, on va observer une translation et une amélioration continue entre, par exemple, les poikilotermes et les endothermes. Donc, le traitement des informations s'améliore, et il s'améliore par rapport à une harmonie atomique, voire même quantique. Donc, on voit que l'harmonie passe de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Elle passe d'un niveau atomique ou quantique à un niveau macroscopique. Donc, globalement, le parcours des physiciens, c'est leur rêve, c'est d'avoir des supraconducteurs chauds. La nature a fait ce chemin. Elle a créé des supraconducteurs chauds et notre cerveau y travaille parfaitement à 37 degrés. À côté de ça, on peut proposer le modèle classique, c'est l'effet Josephson pour expliquer la supraconductivité. Mais maintenant, avec les orientations de la physique, on parle des paires de Cooper. Généralement, en physique, on explique clairement que deux électrons se repoussent. Dans l'état supraconducteur, on peut avoir les paires de Cooper où deux électrons peuvent s'apparier et probablement il y a une corrélation entre l'état supra et le traitement des informations par rapport à l'environnement proche, c'est-à-dire notre environnement lunaire ou solaire, et par rapport à notre environnement lointain, c'est-à-dire l'univers ou le cosmos. Donc, il pourrait y avoir plusieurs interprétations dans ce sens. Et on a modélisé tout ça
Et vous voyez le comportement supraconducteur sans modèle qu'on peut interpréter dans plusieurs domaines, le domaine de l'intelligence artificielle, le domaine du développement du supraconducteur en électronique, par exemple. Cette même harmonie, elle rejoint le modèle global de la supraconductivité dans le management de l'énergie. Eh bien, le développement de l'énergie par les mitochondries dans la cellule animale ou la cellule végétale, il y a des piles, il n'y a pas des centrales électriques. Et c'est un bon modèle de biomimétisme. Ce modèle de biomimétisme permet le développement des sciences de l'ingénieur et c'est un excellent modèle par rapport aux biofuel cells, c'est-à-dire les piles à combustion. Les piles à combustion fonctionnent comme la mitochondrie et utilisent l'hydrogène. Donc vous voyez que dans l'harmonie de vivant globalement, on a plusieurs applications technologiques, nanotechnologiques ou nanobiotechnologiques. Dans cette même harmonie, on peut travailler sur un troisième concept, qui est le concept One Nature, One Emotion, One Health. Et l'équilibre fascinant, c'est l'équilibre entre la mère et son fœtus et la relation fusionnelle. Maintenant, on voit de plus en plus de théories quantiques qui expliquent ce type de rapport, mais en fin de compte, on retient toujours cette harmonie. Les applications aussi sont multiples et diverses de ce concept One Nature, One Emotion, One Health. C'est dans le domaine de la zoothérapie. On retrouve énormément d'applications et d'effets bénéfiques de l'apport de l'animal à la santé humaine, et l'inverse est vrai, et surtout l'apport de la nature par rapport à l'animal et par rapport à l'homme. Et maintenant, il y a le earthing et il y a plusieurs activités qui intègrent cette démarche de One Nature, One Emotion, One Health. Donc, si on essaie maintenant de résumer rapidement par rapport à à ce concept d'harmonie en arabe, c'est bien écrit, Min al-jayyin an tada'a kull shay' fi tawazun, amma an tada'a kull shay' fi tanaghum, fahuwa al-afdal. Donc, l'harmonie, c'est un palier très intéressant à développer dans nos institutions et dans notre société. Donc, l'harmonie est la qualité d'un ensemble qui résulte de l'accord de ses parties ou de ses éléments et de leur adaptation à une fin, l'harmonie de l'univers, du corps humain. Et personnellement, on discutera après sur la physiologie en général. Je pense que l'harmonie, elle décrit cette discipline. Moi, j'ai assuré l'enseignement de la physiologie plusieurs années, mais l'harmonie, elle décrit les systèmes d'une manière innovante et peut-être il faut évoluer dans cette orientation et on pourra discuter l'harmonie par rapport à l'homéostasie aussi. Donc, je vais rapidement parler de la mélodie, mais en fin de compte, le développement va être à la fin. Donc, la deuxième composante, c'est la mélodie, la musicalité en général, la musique de la nature qu'on pourrait décrire parfaitement au printemps par le chant des oiseaux et l'écoulement de l'eau ou des eaux. Et bien sûr, dans cette mélodie, il y a le langage, il y a la poésie, il y a les chansons, donc c'est compliqué, mais qui utilisent toujours le même circuit, qui est le circuit de langage, c'est le faisceau arché ou fasciculus arcuatus. Et il y a énormément de questions par rapport à ça. Si le singe a un circuit de langage ou le faisceau arché, c'est-à-dire sur un plan neuroanatomique, pourquoi il ne parle pas? Et pourquoi le perroquet, il arrive à imiter les sons de gens? Donc, ce sont des mélodies qui parfois ont un sens et parfois ils sont dépourvus de sens. Et c'est pour cette raison, il est très important de travailler sur cette harmonie et cette mélodie dans le traitement
ou la correction des troubles de langage. Le circuit ou le faisceau arqué, il est visible ici sur les trois plans orthogonaux en IRM. Eh ben, le circuit, il commence par l'aire de Broca, il passe par l'aire de Wernicke pour se terminer au niveau du lobe temporal. Et on connaît pas mal de troubles d'aphasie, l'aphasie de Broca, l'aphasie de Wernicke et l'aphasie de conduction. Et on trouve aussi des problèmes de bégaiement qui sont corrigés par la musique. Donc, cette mélodie, apparemment, elle a un dessus par rapport au fonctionnement de nos cellules et surtout au fonctionnement de notre cerveau. Il pourrait y avoir aussi plusieurs interprétations et applications de l'Emo Intelligence Equation par rapport au dilemme conscience et inconscience. Et bien sûr, l'application de nouvelles orientations scientifiques comme l'intrication quantique. Donc, cette mélodie, bien sûr, elle s'est développée très tôt dans l'histoire de l'homme et on retrouve en Chine plusieurs flûtes et plusieurs sons. Et globalement, cette mélodie accompagne aussi le parcours des scientifiques. La majorité des scientifiques développent l'approche philosophique, bien sûr, l'approche mathématique, mais aussi la musique est une composante apparemment qui facilite l'accès au savoir. C'est pour cette raison qu'il est très important de prendre le temps de réviser nos programmes et notre manière d'enseigner, surtout dans les universités. Si on prend maintenant globalement, par exemple, la classification périodique de Mendeleïev et on essaye de l'adapter, on va retrouver cette mélodie. Ou bien, si on prend les paramètres physiologiques qu'on a l'habitude de mesurer, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, les ondes du cerveau, de l'EEG, l'électroencéphalogramme, et on les convertit en notes musicales, on retrouve cette mélodie. Donc, cette mélodie, elle est ancrée dans nos atomes, dans nos molécules, dans nos cellules, voire même dans nos gènes. Donc, avec la même démarche, on peut prendre uniquement l'exemple du calcium. Eh bien, si on va travailler sur le calcium et on obtient des résultats que je ne vais pas commenter, et on les convertit, on retrouve la musique du calcium. Donc, pour chaque paramètre biologique, on peut retrouver une certaine mélodie. Et bien sûr, la beauté est un élément indispensable qui rejoint l'harmonie et la mélodie. Et bien sûr, le phi, qui est le nombre d'heures, ça se fait par un calcul de rapport sur le visage, sur les fleurs. On peut appliquer aussi la suite de Fibonacci, Fn, Fn plus 1, et on fait un rapport de Fn plus 1 sur Fn. Si on trouve une valeur proche de 1,618, notre cerveau va dicter que c'est beau. Donc, on a ces trois composants d'harmonie, de mélodie et de beauté. Donc, si on essaye de se rapprocher de l'idéal harmonie par rapport à la gestion de nos pandémies ou de nos problèmes, eh ben, on doit avancer le concept One Health. Eh ben, ce concept, il se marie parfaitement avec notre vision et la vision déjà proposée par l'Organisation mondiale de la santé qui définit la santé comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, l'harmonie rejoint globalement cette vision. Donc, la rupture de l'harmonie, elle va altérer le bien-être et elle va conduire à la pathologie. Donc, pour contrecarrer à ces problèmes, il faut arriver
à bien sûr préserver au maximum cette harmonie. Le principe, une seule santé, consiste en une approche intégrée, unificatrice, qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Donc, c'est une vision globale d'harmonie. Bien sûr, un des exemples édifiants de la rupture de l'harmonie, c'est la pandémie de la COVID, provoquée par le virus, le SARS-CoV-2. Et la pandémie de SARS-CoV-2 est un révélateur de la fragilité de nos sociétés et de nos écosystèmes. C'est pour cette raison qu'on doit travailler chaque jour sur le renforcement de l'harmonie. Donc, le concept One Health suppose que la santé est indivisible. Il est fédérateur, il fait retrouver des disciplines désunies autour du vivant. Ainsi, One Health appelle à renouveler notre vision de la nature. Et globalement, la majorité des maladies humaines sont des maladies zoonotiques quelque part. C'est pour cette raison, avoir une vision globale de la santé, ça va nous aider à éviter de nouvelles maladies humaines émergentes. L'historique de ce concept One Health, eh ben, c'est en 2008-2009, c'est l'OMS qui a proposé ce concept, qui est très utile et je pense qu'il a beaucoup d'avenir. Et la vision globale de la santé et du concept One Health, eh ben, fusionne la vision des médecins et des médecins vétérinaires dans le traitement de la santé globale. Donc, le concept One Health est une approche systémique et multidisciplinaire de recherche, d'éducation et de pratique. Donc, c'est une vision pluridisciplinaire qui intègre des informaticiens, des mathématiciens, des ingénieurs. Donc, il n'y a pas de compartimentation de savoir. Et vous voyez ici que le concept One Health est bien global et on voit un chevauchement important entre la santé animale, la santé humaine et la santé des écosystèmes. L'approche One Health implique plusieurs secteurs et surtout introduit la notion d'harmonie du vivant au sens large. Généralement, on a plusieurs concepts, mais je vais présenter le concept One Health et Eco Health. Le concept One Health, c'est une approche systémique ciblant la dimension de santé humaine au travers des interactions homme-animal-environnement. Par contre, l'approche Eco Health, elle est plus difficile à installer. Elle vise la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Donc, si on arrive à réussir notre mise en place du concept One Health, on peut passer à la mise en place du concept Eco Health. Donc, cette démarche globale d'harmonie et de mise en place du concept One Health vise à contrôler la gestion des zoonoses en général, l'antibiorésistance, la sécurité alimentaire, l'éthique et le bien-être et la biodiversité. Donc, ce sont des projets à programmer avec une vision harmonie One Health. Et cette vision One Health, elle était abordée par Hippocrate, la nature est le médecin des maladies. Donc, c'est très important de renforcer la vision de tous les acteurs de l'importance de la nature et de l'harmonie. Et je vous remercie très bien. On va passer à la discussion après chaque présentation. Merci, Hafez, pour cette présentation. Et en fait, le débat par rapport à la définition biologique de la beauté et de l'harmonie
C'est sous-tendu par des mécanismes physico-chimiques et physiologiques. C'est ça le principe. Et la compréhension des neurosciences, justement, et le développement des neurosciences viserait justement à comprendre les supports biologiques, physiologiques et structuraux de l'émotion et de la notion de bien-être et d'harmonie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui. Donc, les deux principales questions, c'est par rapport. Quand on parle rythme, harmonie, en fait, souvent on parle de longueur d'onde et de rythme. Le rythme est dans la nature, tout est rythmé. Tout est rythmé, le jour, la nuit, les battements cardiaques, etc. Le bruit, les bruits de la mer, tout est rythme. Mais ce qui est intéressant, c'est comment le cerveau humain est capable de transformer cette notion de rythme. En une créativité, en une innovation en termes de création musicale, par exemple, en termes de chant. Comment est-ce qu'on est, on, les gens composent dans des modes musicaux, comment est-ce qu'on sait si on fait des fausses notes ou pas, comment, à part le fait de l'oreille, c'est la perception au niveau du cerveau. Ce sont quand même des mécanismes extrêmement intéressants qui, si on s'adresse uniquement à la musique. Mais je pense que le terme harmonie qui a été utilisé, c'est un terme qui vise au-delà de l'équilibre physiologique. Au-delà de l'équilibre, disons, des écosystèmes et disons, de l'homéostasie au niveau de l'organisme, c'est un sentiment de bien-être et un sentiment. Le terme bonheur n'a pas été utilisé, mais disons, de bien-être et en termes d'émotion, ça veut dire que ce n'est pas. Ça n'est pas uniquement exprimé en termes physiologiques ou descriptifs ou même numériques, parce que en fait la description numérique pourrait être faite, c'est décrire cette harmonie parce qu'elle est génératrice d'une émotion de bien-être et de beauté. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à expliquer scientifiquement. Voilà. Mais enfin, merci. J'espère que j'ai bien compris. Parfaitement. Merci, professeur Ravlemlek, pour cette excellente présentation qui a suscité un très grand intérêt et beaucoup de réflexions. Cette composante harmonie, beauté, mélodie, ça m'a renvoyé vers des discussions, par exemple, avec des collègues médecins qui n'arrivent pas à expliquer pourquoi certains patients répondent efficacement à des traitements alors que d'autres ne subissent exactement le même traitement et ils sont résistants ou ils ne sont pas de très bons répondeurs. Ça me renvoie à une question très philosophique qui émerge aujourd'hui dans le domaine des sciences multidisciplinaires, qui est la nouvelle définition du phénotype du vivant, qu'il soit animal ou humain ou végétal. Donc, la nouvelle définition du phénotype, je pense que puis elle dépasse la génomique, métagénomique, transcriptomique, microbiote. Je pense qu'aujourd'hui, une meilleure définition du vivant, elle doit tenir compte non seulement de l'homéostasie, mais de l'harmonie. Donc vraiment, c'est un concept que j'apprends. Et je pense qu'il faut, comme a dit Madame Guy, aujourd'hui, je pense qu'il faut creuser dans ce sens pour pouvoir quantifier cette histoire d'harmonie. Vraiment, si on arrive à quantifier l'harmonie chez le vivant,
Comme on définit l'homéostasie, je pense que ça dépasse aujourd'hui le niveau de glycémie ou de cholestérol, mais si aujourd'hui on arrive à quantifier l'harmonie du vivant, on arrivera à répondre à plusieurs questions. Si Hafez, merci beaucoup pour cette communication vraiment très très enrichissante. Et je vais intervenir en langue arabe. Pourquoi? Parce que je souhaiterais que qu'une conférence pareille soit traduite pour les lecteurs arabisants. Parce qu'elle est très enrichissante, elle est à la page des connaissances scientifiques modernes et tout ça. Mais je voudrais dire quelque chose qui nous concerne, nous, en tant que arabophones. Je ne vais pas dire arabe parce que nous ne sommes pas arabes, nous sommes un mélange d'ethnies, nous sommes arabophones, c'est le monde arabe. Ecoule, بالإضافة إلى هذه المعلومات الهامة جدا التي أنا سعيدة بأن علماءنا ودكاترتنا يتابعونها بدقة ما يحدث في العالم فيما يتعلق بوان هيلث هذا. نحن نحتاج إلى أن نقول كلمتنا الخاصة في هذا المجال، وكلمتنا الخاصة تكون بالغوص في بعض المناحي وبعض الأشياء التي تهمنا والتي نجد فيها صداء لما هو موجود من فكرة عامة انطلاقا من فكرة ميكروكوزم وماكروكوزم. ظننت أو أنا على علم بأن السي وجدي سويلم سيبحث في بعض الكتب مثل الجاحظ ومثل ابن عربي إلى غير ذلك. فكرة وحدة الوجود فكرة عريقة جدا في حضارتنا عند المتصوفة وعند العلماء وحتى في نص لا نجرؤ على استكشافه ولكن يجب أن نجرؤ على استكشافه وهو نص القرآن. نحن نعود إلى الجاحظ ونعود إلى زيد وعمر، أقول قرآن بدون أن أذهب المذهب الديني أو شيء من هذا، أخذه كنص من النصوص الذي ينتمي إلى حضارتنا. في القرآن تجدون في الكثير من الآيات الحديث عن الخلق، والخلق يشمل كل الكائنات، الإيكوسيستم، الحيوان، الإنسان، النبات، كل شيء. وتجدون تكرار كلمة بحسبان، توت كالكولي، مكررة في القرآن. تجدون الإشارة إلى بميزان، معنى التوازن. تجدون معنى الإيقاع، والإيقاع تجدونه حتى في بعض الآيات. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل شيء خلقناه بميزان، كل بحسبان، إلى غير ذلك. فإذا نحتاج نحن إلى أن نضيف شيئا إلى ما نأخذه من هي معركة وجود في نهاية الأمر. معركة وجود يجب أن نقول كلمتنا الخاصة بنا. نحن نستوعب كل ما يصل إلينا وكلمتنا يجب أن نقولها دون تعصب ودون مركب نقص وإنما بدقة علمية وببحث في نصوصنا، نصوص متصوفينا، نصوص علمائنا، نصوص ابن سينا كما نظرنا في بقراط، ننظر في ابن سينا، ننظر في الرهاوي، في أدب الطبيب، ننظر في الكثير من الكتابات، حتى ابن ملكة المتخصص في الفيزياء، يعني شيء رائع جدا نجده توصل إليه قبل نيوتن ولكن نحن لا نعرفه. إذن لذلك أقول يجب أن نقول كلمتنا الخاصة، هذا رأيي. وأنا متشوقة جدا للاطلاع على المحاضرتين التاليتين، وأعتقد أن هذه ستسجل وتبث على موقع هذه المحاضرة على موقع بيت الحكمة، سأتابعها إن شاء الله. وأنا مضطرة إلى الاعتذار لأسباب يعرفها سي وجدي سويلم إلى أن أمضي لمهام أخرى، وشكرا. شكرا.
Emel Chefri veut poser sa question. Tu peux prendre le micro si tu veux. Tfadl, madame Emel. Alors, merci Hafad pour cette excellente présentation, très riche, qui constitue une approche holistique qui parle de la physique quantique, des neurosciences, de la physiologie, de la musique, de la psychologie. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter. C'est la première fois que je suis à ta conférence, donc je suis vraiment impressionnée. Alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est une question concernant une équation que tu as présentée sur l'intelligence émotionnelle. Donc, tu nous as présenté une équation I égale, je pense, taux multiplié par E à la puissance alpha. Alors, je voulais juste avoir un peu plus de précision sur cette équation. La deuxième question, elle est beaucoup plus pratique. Alors, comment est-ce qu'on peut envisager l'intégration de cette approche intéressante, innovante, dans le système éducatif actuel, avec toutes ces difficultés, ces inconvénients? Alors, je pense que ce que tu as présenté est très pertinent, très intéressant. Voilà, donc ce sont mes deux petites questions. Ok, donc je vais essayer de répondre rapidement et puis passer à la deuxième conférence. Par rapport à l'équation, eh ben, il faut retenir que l'intelligence est une conversion des émotions. Donc, si un apprenant est brisé émotionnellement, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Donc, elle est fonction du temps, mais c'est le temps psychologique. Et d'ailleurs, si vous prenez le temps psychologique, il est égal à I sur E. Quand les émotions tendent vers zéro, le temps tend vers l'infini. Et par conséquent, la personne est en dépression. Et quand les émotions tendent vers l'infini, le temps s'annule. Et généralement, on cherche ces moments de grâce ou ces moments de plénitude. Et par le biais d'une méthodologie qui renforce les émotions, on peut faire la promotion d'une méthodologie de créativité. Et d'ailleurs, si on fait, et le ministère de l'Éducation, ou nous, dans les universités, on met des amphis où il y a des posters de la nature réelle ou virtuelle, eh ben, on va voir globalement, au bout d'une année, une amélioration significative de leurs résultats. Les mêmes résultats sont observés dans les hôpitaux. Si on met des posters réels ou virtuels de la nature, eh ben, le patient il s'améliore rapidement quand il observe chaque jour la nature. C'est pour cette raison l'harmonie, c'est l'harmonie, la mélodie et la beauté peut constituer un très bon remède et une méthodologie corrective. Comme disait Feridine Lata dans la traduction de Leli Anvar dans le Cantique des oiseaux, eh ben, il dit, si tu es amoureux d'un visage de beauté, sache que le cœur contient son reflet. Donc notre cœur, il contient le reflet de notre environnement. C'est pour cette raison qu'il faut travailler sur l'environnement et les émotions pour avoir un cœur avec un très bon reflet. Merci. Ok, merci Harv, merci pour cette merci. Merci. Oui, on va... Voilà, on va passer à la deuxième conférence qui va être présentée par Monsieur le professeur Wajdi Swil, mais intitulée « Le One Health, est-ce une émergence ou une résurgence ?» Donc, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui à Beit al-Hikma. Je vous remercie, professeur Emel Gayed, professeur Souad Chouk, professeur Haf, de me donner cette opportunité. Je voudrais tout simplement signaler que ma présentation s'insère dans la continuité avec Madame Souad et ses Haf dans le cadre d'une présentation que nous avons effectuée au mois d'octobre
dernier, ici à Beit el-Hikma, sur lors du congrès de la Société tunisienne d'histoire de la médecine et de la pharmacie, qui est présidé par le professeur Fatma Lakhdar, qui vient de nous quitter. Et le livre « Les actes du colloque » vont être présentés cet après-midi à partir de 15h à la Bibliothèque nationale. Donc, c'est Hafez et Madame Souhad, nous sommes réunis pour réfléchir et avancer dans cette réflexion. C'est Hafez, il a bien expliqué le concept One Health, une seule santé, et je ne vais pas insister là-dessus, mais juste de signaler que le concept s'est imposé entre autres suite à l'expansion des activités anthropiques liées à l'homme, l'industrialisation, la dégradation de l'environnement, la perte de la biodiversité et au déséquilibre écologique à l'échelle de la planète. Il a parlé de la triade homme-animal-environnement et de la connexion avec l'éco-santé ou l'éco-health, la santé des écosystèmes, où il s'agit de préserver à la fois la santé humaine, animale et écosystémique, et toutes les composantes de l'écosystème, et non pas d'avoir, comme il a signalé, juste une approche en relation avec les maladies contagieuses qui passent de l'animal à l'homme, cette approche un peu zoonotique. Là, on s'intéresse à tous les éléments de l'écosystème et essentiellement les êtres vivants. Sur le plan, si je vais essayer de faire un retour sur le respect, disons, de la nature et des êtres vivants à travers l'histoire, on voit très bien que ça a été toujours au centre des préoccupations des sociétés humaines depuis l'Antiquité. Et la médecine repose largement sur des conceptions anciennes héritées d'après d'Hippocrate et de Galien, et selon lesquelles toutes les substances terrestres dérivent de quatre éléments essentiels, la terre, l'air, l'eau et le feu, qui sont tantôt en état d'alliance, comme l'eau et la terre, et tantôt en état d'opposition, comme le couple eau et feu. Donc le respect de la nature et des écosystèmes, de l'environnement, était toujours au centre des civilisations anciennes. Je vais prendre des exemples pour la civilisation grecque, sans respecter un peu l'ordre chronologique, c'était essentiellement des approches philosophiques et des philosophes. Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ. Donc, pour lui, la nature, d'ailleurs le terme nature qui signifie physis, d'où le nom de physiologie, physis, logos, étude, et plus exactement physis, cette nature, elle croît, se reproduit et se maintient par une physiologie, je veux dire là, une fonctionnalité visant des fins et obéit au tout organisé qui est le cosmos. Et pour lui, il ne faut jamais abuser de la nature et chercher toujours un équilibre entre l'homme et la nature. Donc le naturalisme et le vitalisme sont étroitement liés. Il disait entre autres que la nature est génératrice de tout. Théorie de la génération spontanée qui a été bien reprise après par Pasteur. La nature réalise toujours le meilleur. Et là, je profite de l'appui de son ami et collaborateur Théophraste, qui était l'un des premiers défenseurs des animaux, où il signalait que l'homme et les animaux sont apparentés. Avant lui, et 6 siècles avant Jésus-Christ, Pythagore, c'est lui qui a parlé du concept d'harmonie entre l'âme et le corps. Il était influencé d'ailleurs par la Mésopotamie et, les écoles, surtout de géométrie. Et on connaît les règles, voilà, le théorème de Pythagore et l'harmonie qu'il y a sur le plan géométrique. Et après, il a élucidé le concept d'harmonie entre l'âme et le corps qui constituent la même unité, contrairement à la théorie dualiste. Et il est actuellement le père spirituel de véganisme, du courant vegan,
qui refusent de consommer la viande ou tout produit ou sous-produit issu de l'exploitation animale. Donc ça, pour montrer que même à l'heure actuelle, ça alimente des idéologies et du courant philosophique et des démarches citoyennes écologiques à l'heure actuelle, qui peuvent être un peu extrémistes. Séhafd a parlé d'Hippocrate, je le remercie, il a dit que la nature est le médecin des malades, 460-317 avant Jésus-Christ. Et Hippocrate a établi le rapport entre l'homme et le corps, l'homme et la nature. Il a introduit la thérapie et le traitement par les substances naturelles à cette époque. Il disait que la maladie est une histoire logique du corps dans son environnement. La nature est source de guérison, elle est saine par définition, et la guérison est le retour à l'harmonie et à l'équilibre. Et toute maladie qui atteint l'animal touche aussi l'homme, donc il y a une transmission de l'animal à l'homme. Donc Hippocrate, ici, il a introduit l'aspect traitement et l'aspect médical qui va influencer par la suite d'autres médecins, que ce soit arabo-musulmans ou occidentaux, romains, comme Galien par la suite, 6 siècles après. Donc on est passé à la thérapeutique et l'apport thérapeutique de la nature par rapport à l'approche purement philosophique d'Aristote. Alors, ça c'est certain, comme dans les sciences d'une manière générale, c'est que les philosophes et les savants grecs étaient très influencés à l'époque par l'avancement des sciences de la méso. Ils ont hérité les sciences de la Mésopotamie, qui provient du mot Mésopotamos, Hadarat Mabayn al-Nahrayn. Méso, ça correspond à l'Irak ancien. C'est la première civilisation agricole. L'agriculture était très développée car il y avait des terres très riches et fertiles. L'élevage aussi très développé et on donnait beaucoup d'importance aux écosystèmes à cette époque-là. Il suffit de voir le code de Hammurabi, donc 2000 ans, 1870 avant Jésus-Christ. Et ce code, il est global, entre autres, il préserve la nature et il donne des sanctions contre la maltraitance animale. Il y avait un code pour les médecins et un code pour les vétérinaires pour montrer combien la place de l'animal était tellement importante en Mésopotamie. Aristote et les philosophes, les savants grecs, étaient aussi influencés par le savoir d'Égypte et d'Alexandrie, d'Égypte ancienne. Donc, les civilisations, il y a un relais à chaque fois, il n'y a pas une civilisation plus puissante que d'autres, il y a un relais pour l'intérêt de l'humanité. Puis, au premier siècle, premier, deuxième siècle, Claude Galien, qui est un médecin grec qui a exercé à Pergame, puis à Rome, il était médecin de plusieurs empereurs romains, c'est un illustre et fécond successeur d'Hippocrate, on dit qu'il est l'interprète d'Hippocrate. Donc, il a renforcé l'apport médical. Il était à l'origine de la théorie médicale, de l'école médicale galénique de Galien et de l'autonomie de la médecine. Et il disait que le vitalisme est une force de vie de la nature et l'homme et la nature constituent la même entité. Donc, on est revenu ici aux sources et aux livres pour essayer ou traiter, pour reprendre les mots et non pas de les inventer ou les modifier. Il fallait dire que le nom de Galien est plus connu par les pharmaciens que les médecins, vu son apport à la pharmacologie. La pharmacologie, c'est une notion, une science qui est apparue au XVIIe siècle, en Europe, en Occident, mais c'est-à-dire l'usage des produits pharmacologiques ou des produits chimiques issus, des thérapeutiques issus de la nature. Il n'y avait pas à cette époque de formule chimique précise, de principe actif, mais quand même, les pharmacologistes sont redevables à Galien et on parle de préparation galénique, par exemple, qui est parfaite à ce niveau. L'Empire romain, dès le 1er siècle, malheureusement, il y a une nouvelle doctrine qui s'installait, une rupture par rapport à l'époque grecque, où la nature est en dessous de l'homme, voire à son service.
et qu'il faut dominer. L'homme est un être supérieur à part dans la nature et serait en dialogue direct avec la divinité. Lorsque je reprends par exemple, et si Nourdine Naïfer en a parlé lors du colloque de la Société tunisienne d'histoire de la médecine et de la pharmacie, dans l'histoire des épidémies, comment l'Empire romain s'est effondré, c'est un livre qui a été édité en 2017, puis repris, oui, la version française en 2017, qu'il Harper disait, par exemple, que l'Empire romain tardif a été le moment d'un changement décisif à la fin de l'optimum, la perte de l'optimum climatique qui a favorisé l'évolution des germes, comme Yersinia pestis, le bacille de peste. Mais les Romains ont aussi été complices de la nouvelle écologie des maladies qui a assuré leur perte. Les bains publics étaient des bouillons de culture, les égouts stagnaient sous les villes, les greniers à blé étaient une bénédiction pour les rats qui transportaient les puces porteuses du bacille. Les routes qui reliaient tout l'Empire ont été à l'origine des épidémies de la mer Caspienne au mur d'Adrien. Donc selon lui, c'était ces problèmes d'environnement et d'hygiène et de changement climatique, de mauvaise adaptation aux conditions climatiques et d'hygiène écologique était à l'origine de la chute de l'Empire romain. D'autres contestent bien sûr son approche, mais je fais ici que présenter l'abstract de son livre. Il fallait dire que durant l'époque romaine, il y avait aussi des mouvements importants d'animaux. Et on sait que les Romains importaient par bateau les lions, les éléphants pour les festivités, pour les présentations dans les amphithéâtres, de même que les échanges pour les plantes, les aliments. Et tout ça, ça a fait donc une transmission aussi de germes et une dégradation de l'état des animaux et aussi des écosystèmes à cette époque-là. La civilisation arabo-musulmane, dont Mme Fatma Lakhdar, qui est un grand défenseur, et elle vient de donner quelques idées. Les médecins et les savants à cette époque étaient bien instruits avec un esprit pluridisciplinaire. On voyait donc qui combinent cet esprit, la philosophie, l'agronomie, les mathématiques, la musique. Je vais commencer par un zoologiste ou par Al-Jahab, qui dans son œuvre naturaliste monumentale Kitab al-Hayawan, et là je résume, il rapporte les interrelations entre les espèces animales, l'interaction à leur environnement, il étudie aussi le comportement animal. C'est pas une simple affaire de zoologie, son bouquin, c'était un précurseur de l'environnementalisme holiste, et il a mis l'accent sur la relation entre l'homme, son milieu et la ville. Il a parlé aussi de la transmission des maladies dans les zones urbaines. Et en regardant le bouquin récemment étudié par notre ami et collègue Maïssa Ben Saad, « Ordonner la diversité des vivants dans le Kitab al-Hayawan d'Al-Jahab », ça nous réconforte car on voyait un nouvel angle de vue et une valorisation des travaux de Jahab et de ses observations. Maïssa Ben Saad, elle devrait être là. Malheureusement, elle a eu un empêchement. Donc, on encourage les jeunes chercheurs dans le domaine de l'histoire, de la médecine vétérinaire, de la philosophie, de s'intéresser à ce patrimoine de Jahab, de Ben Khaldoun, des anciens savants arabo-musulmans, pour essayer de puiser au maximum et de voir ce qu'ils ont laissé comme empreinte avec les angles de vue actuel et avec nos connaissances actuelles et notre savoir actuel. Et ce bouquin qui est disponible, qui est édité en Belgique et qui pourrait être disponible aussi à Beit al-Hikma, c'est vraiment un trésor. Et peut-être il fallait inviter Maïssa pour qu'elle fasse une conférence là-dessus. Maïssa, elle est spécialisée en histoire des sciences, mais elle est agronome agronome de formation. Et le concept One Health, comme l'a dit Sehafet, il fait impliquer des spécialistes, des professionnels de la santé, des médecins, des vétérinaires, mais aussi des agronomes, des nutritionnistes et des écologistes et des scientifiques dans les différents domaines.
Ibn Sina, Avicenne, au Xe siècle, et avec lui a commencé surtout les autopsies sur animaux pour découvrir l'anatomie, la physiologie. Donc, c'est la reprise qu'a fait Galénos en réalité. Galénos, il est galien, il est plus anatomiste et reconnu en anatomie et en physiologie pour nous, plus que pharmacologiste, mis à part les pharmaciens. Il a fait beaucoup d'autopsies. Et Claude Bernard considérait Galien comme le premier vivisectionniste. Oui. Ce qui fait que Ibn Sina, il a commencé et il a effectué beaucoup d'autopsies pour découvrir les organes, le fonctionnement. Et il a introduit à côté de l'âme animale, l'âme végétale. Donc chaque âme animale paraît bien unique, indivisible, mais plus on s'élève dans l'échelle des êtres animés, plus l'âme présente de complexité, de niveaux différents correspondant à des facultés nouvelles. Et aussi, à côté de l'âme animale, il y a l'âme végétale, qui possède une faculté de perception avant et une faculté d'action. Donc, il a fait des ajouts par rapport aux philosophes grecs. On sait tous qu'Avicenne admet que l'hygiène et la médecine sont deux pratiques indissociables et complémentaires et reconnaît que la contagion se fait par l'air, l'eau polluée et par le contact. La relation de la partie au tout a été établie aussi par Ibn Sina. Les maristans de Bagdad avaient, les hôpitaux de Bagdad anciens, avaient leur localisation était bien définie dans la ville en fonction de l'environnement, la saison, l'hygiène. Professeur Slaim Ammar a rapporté ces aspects-là, il suffit de reprendre ses livres, et là établir le rapport entre l'hygiène et la santé de suite à des observations et sur des fondements scientifiques. Là, je reviens, donc c'est essentiellement un médecin, à Ibn al-Awwam ici, qui est un agronome et un botaniste. Je dispose d'une copie de son livre, bien sûr, les copies nouvellement éditées, Kitab al-Filaha, qui rapporte la place de l'animal dans la nature et son apport pour l'homme et l'humanité entière. Donc, Slaim Ammar disait, hier, j'étais en train de revoir le livre, il disait que Ibn al-Awwam et Ibn al-Baytar au XIIIe siècle, sont considérés par l'Occident comme les premiers pharmacologues. Bien sûr, ils n'ont pas exercé la pharmacologie, mais ils ont essayé de présenter l'intérêt des aliments et de produits chimiques et leur impact sur la santé. Donc, Ibn al-Awwam, il prenait par exemple les fruits, les caractérisait depuis la culture, et puis il voit l'impact sur la santé, sur la psychologie, donc il va plus loin. Il relie tout ça par la suite. Donc l'œuvre de Ibn al-Awwam est aussi, qui est née à Séville, est aussi importante à ce niveau-là en matière de One Health. Ibn Rushd, philosophe et penseur andalou à l'époque d'Andalousie au 12e siècle, c'est le plus grand commentateur d'Aristote, donc on voit les liens et les rapports entre les différentes civilisations. Pour lui, l'apostos, c'est la force de la nature qui passe de l'état potentiel à l'état actif, qui définit les différentes fonctions du corps. La nature disait génération et corruption, et toute altération de l'état de la nature altère aussi l'organisme. Il a fait appel dans sa démarche à l'intellect actif, qui est une sorte d'esprit de la terre et de l'humanité, bien commun de toutes les âmes. Et je termine pour la civilisation arabo-musulmane par Mouhiddin Ibn Arabi avec Wahdat al-Wujud. C'est le plus grand penseur de la doctrine ésotérique de Wahdat al-Wujud, l'unité de l'univers ou l'unicité de l'être. Et il disait dans ce sens, « عنده مقولة معروفة, لن تبلغ من الدين شيئا حتى توقر كل الخلائق حتى توقر معناها حتى تعطي الوقار وتحترم كل المخلوقات اللي موجودة à côté de l'homme, à côté de l'humain. Donc ça pour faire plaisir à Madame Fatma Lakhdar, présidente de la Société d'histoire de la médecine et de la pharmacie. Oui, je ne peux pas terminer par Ibn Khaldoun qui est
qui n'est pas un naturaliste, qui est historien, mais quand même, et là je l'ai retrouvé, ça a été commenté par Meïs Ben Saad dans son livre sur le Jahaf, et Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, disait « Le monde vivant est ordonné, hiérarchisé, il y a une quantité entre les différentes composantes de ce monde, entité existante, et il existerait de possibles transformations de composantes en autres. » Certainement, Madame Souad, elle va interagir après en matière d'interaction entre la partie, le tout, l'interdisciplinarité, tout ça, on va le voir. Alors, bien sûr, si on voit au XVIIe siècle et en Occident, malheureusement, on tombe directement sur Descartes, mais c'est pas calculé, hein, car la civilisation occidentale a beaucoup apporté à l'humanité. Et Descartes, dans le discours de la méthode en 1637, a constitué un tournant dans la perception de la nature. Il disait « Nous devrions nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». Ça a été mal interprété, donc une nature sans finalité, il y a une vision mécanique de la nature. Le concept de machine, d'animal machine, sous-machine, ce qui a permis après aux scientifiques, aux zootechniciens, aux vétérinaires, entre autres, de surexploiter l'animal, d'aller chercher une production maximale aux dépens du bien-être de l'animal, donc on cherchait, et avec tout le système productiviste, capitaliste, et qu'il faut aller exploiter la nature au maximum pour préserver en quelque sorte la vie humaine et pour améliorer les conditions économiques. J'ai repris aussi Thomas Malthus, un économiste né en 1766 et mort en 1834, qui est très connu, bien sûr, avec la théorie de la population et qui insistait sur la limitation de la natalité pour sauver la planète. Donc, et sauver la nature, mais ça crée un dilemme entre limiter les naissances et la sauvegarde de la planète, mais il est aussi, il y a l'écologie, les mouvements écologiques qui naissaient depuis le 15e, 16e siècle, et on voit au 17e, 18e siècle, des mouvements écologiques pour défendre l'environnement. On ne peut pas ne pas parler aussi de Charles Darwin avec sa théorie de l'évolution basée sur la sélection naturelle et la survie du plus apte, et qu'il y a une compétition des êtres vivants pour des ressources limitées dans la nature, ce qui rejoint un peu ce qu'a dit Thomas Malthus pour les humains. Il a établi le rapport entre la phylogenèse et l'ontogenèse, l'influence du milieu, l'importance des gènes qu'on voyait de plus en plus après dans le fondement de l'unité du vivant, de la santé et de la nature. Voilà, je vais terminer par George Perkins Marsh et d'autres auteurs pour ceux qui défendaient la nature. George Perkins, un diplomate américain, disait que l'homme est un agent perturbateur que lui modifie le milieu dans lequel il évolue. Où qu'ils mettent le pied, les harmonies naturelles se transforment en discorde ou en désordre, en disharmonie. Et Arrhenius, un écologiste, il était à l'origine de la naissance de la philosophie écologique qui s'appelle écosophie, il est décédé en 2009, à l'origine de l'écologie profonde, et non pas de l'écologie superficielle, deep écologie, l'écologie philosophique. Pour lui, la nature n'est pas un ensemble, il est norvégien, Arnaes, la nature n'est pas un ensemble de ressources mises à la disposition de l'homme, mais un tout dont il fait partie, au même titre que tous les êtres vivants. Donc il a vécu dans les montagnes et essayé de défendre les écosystèmes essentiellement dans les montagnes, et beaucoup de courants et d'actions citoyennes sont redevables maintenant au militantisme écologique et redevables à Arnaes. Voilà, pour dire qu'il n'y a pas une civilisation particulière qui a défendu la nature depuis les Grecs, les Égyptiens, la Mésopotamie, jusqu'en Occident maintenant, et les recherches et les mouvements écologiques qui cherchent de préserver la nature et l'écosystème. Et ceci s'est imposé suite à la perte de la biodiversité, suite aux crises
écologiques auxquelles et la nature et les, étant exposée. Donc, je conclue, le One Health appelle à nous renouveler, comme l'a dit Sehaf, notre vision de la nature. Et ceci commence par la reconnaissance de la interdépendance des bien-être des êtres vivants et de leur écosystème réciproque. Il invite à réfléchir au lien de la, entre la biodiversité, reflet d'un écosystème en bonne santé, et aussi pour préserver la santé humaine et animale. Et ceci nécessite une approche systémique. Et l'esprit holiste existe depuis les Grecs et les Arabes, et d'une approche aussi interdisciplinaire. Et on a vu que ils n'étaient pas sur-spécialisés, mais ils tenaient compte de plusieurs sciences à la fois, essentiellement les médecins et les savants de l'Antiquité. Je vous remercie de votre attention. Merci. J'aimerais avoir une question ou un commentaire qui fasse le lien entre les deux conférences par rapport justement à notre connaissance. Vous êtes vétérinaire, à votre connaissance de l'animal. Et en fait, dans le déni à un certain moment vis-à-vis de l'animal par rapport à sa capacité à comprendre certaines choses, à une forme d'intelligence animale, au fait qu'il ait des sentiments, qu'il ait des émotions, fait que on se sent obligé de respecter la vie animale de ces points de vue. Mais d'un autre côté, moi, ce qui m'interpelle, c'est jusqu'à quel niveau justement ces émotions ou cette intelligence se rapproche de celle de l'homme. L'idée, c'est que si on revient par exemple à la notion de beauté, et il est clair qu'on l'a associé, ce sentiment de bien-être et de beauté, par exemple d'enfants ou de personnes en relation avec la nature. On a l'impression que la nature peut générer justement ou susciter un sentiment de beauté, enfin une certaine émotion par rapport à cela. Alors, est-ce que on ne pourrait pas imaginer que c'est quelque chose qui a été développé ou sélectionné par l'évolution, parce que ça relève d'abord d'une perception et donc d'un système nerveux. Et donc, est-ce que toute forme animale ou toute forme vivante ne peut pas percevoir la même chose? En tous les cas, les organismes qui ne disposent pas de système nerveux ne peuvent pas percevoir l'environnement de la même manière, ça d'une part. Et ce sentiment de pourquoi le lien avec la nature génère-t-il la beauté ou le sentiment? C'est parce que probablement, ça doit être associé à un sentiment de bien-être et de sécurité. Qu'est-ce qui va être beau? C'est un paysage où c'est verdoyant, où c'est fleuri, et que c'est en relation, où la température est tempérée, etc. Donc, probablement que c'est relié aux meilleures conditions de vie et de sécurité qui fait que ça génère justement ce sentiment de paix et de bien-être qui va jusqu'à perdre la perception de la beauté. Mais de l'autre côté, qu'on le veuille ou non, chez l'homme, et donc cette perception de la beauté, puisqu'elle a été générée en relation avec la nature et donc avec l'évolution, donc elle devrait exister chez l'animal. Est-ce qu'on a des moyens de l'évaluer scientifiquement? Est-ce qu'on l'a étudié? La deuxième chose, c'est par rapport elle est aussi culturelle. Aujourd'hui, je ne suis pas dans la nature, mais je dis que ce palais est beau. Et donc, là, on est dans cette dualité. Il faut savoir que aussi, c'est, elle est culturelle parce qu'on
a grandi, où on a avec des différences, et probablement que d'une civilisation à une autre, d'une culture à une autre, on a les mêmes critères, même vis-à-vis de la beauté physique et autres. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de faire la part du biologique et l'apport du culturel dans cette approche et de mener des expériences chez l'animal pour pouvoir jusqu'où ce niveau de perception ou cette finesse et de perception peut aller et ça c'est très intéressant parce que ça nous permettrait de comprendre les supports au niveau neurologique de cette perception là. Alors voilà, est-ce que vous avez des réponses là-dessus ou pas? Il y a deux ou trois visions. Il y a la vision mathématique où on fait que soit on va utiliser le Fibonacci et la forme spirale. Et on retrouve généralement même en embryogenèse, c'est des questions de cercle. Ou dans les arts, toujours on retrouve cette Fibonacci. Et cette beauté peut être interprétée par rapport à des calculs de rapport. Toujours, c'est un calcul de rapport. Ça, c'est mathématique. Après, tout ce qui est culturel, par exemple, si on va parler avec une démarche un peu plus philosophique, comme disait Jalaluddin Rumi, « Shay'u idha tamma faslah yahinnu ila aslah ». Donc, nous avons un référentiel émotionnel de notre parcours. C'est comme l'eau. L'eau, il raconte son parcours. Nous, on essaie toujours à raconter notre parcours et on essaie d'ajuster notre jugement par rapport à notre environnement. Mais en fin de compte, sur un plan purement biologique, naturel et mathématique, j'ai travaillé beaucoup sur les plantes, sur la beauté des animaux, des humains. Toujours le cerveau, il fait ce calcul de rapport, il donne des conclusions juste ajusté par le parcours et l'environnement. Mais il fait au début un bon calcul, mais après il applique la règle de Rumi, shay'u idha tamma faslah yahinnu ila aslah. Ça crée une distorsion de ce calcul mathématique. Mais c'est compliqué comme approche, mais au moins moi je suis convaincu qu'il y a les deux écoles. L'école mathématique associée à la nature et l'école psychologique associée au jugement de la beauté et de la mélodie par l'histoire du parcours. Voilà, à peu près. Alors, merci Emel pour cette intervention. Elle a évoqué dans ma mémoire, deux choses, en fait. Au moment de préparer cette conférence, j'avais lu justement les mains avec les expériences des psychologues qui ont constaté que lien affectif d'un petit singe avec sa mère n'était pas vraiment un lien émotionnel. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un lien de sécurité. Parce qu'on a mis une figurante à côté de la maman, singe, et on l'a couverte d'un tissu doux. Et on a vu que le singe n'allait pas forcément, quand la mère n'était pas là, il y avait deux maquettes, quoi. Il y avait une maman singe avec un tissu confortable et doux, et l'autre avec du fil. Et on voyait avec cette expérience de psychologue qu'il allait plus vers le tissu doux qui lui offrait sécurité et confort. Et je trouve que cet axe de recherche sur le comportement instinctif justement de l'animal est très pertinent. Deuxième remarque que j'ai envie de faire pour alimenter le débat de ce matin,
C'est que hier, avec mes deux collègues, on était en train de ficeler notre matinée. Et là, tout d'un coup, on avait commencé à aller au-delà de cette conférence. On s'était projeté. Avec leur permission, je vole le scoop peut-être, pour dire qu'on a senti que ce thème de l'intelligence, en faisant parler de l'animal, et ouais, je dis, il était, c'est-à-dire prédestiné à traiter cet axe, était déjà dans notre projet pour notre prochaine discussion. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Voilà, une autre précision par rapport à la beauté. Professeur Scania de Chonen, elle était un des membres de mon jury de DOA et en présence de mon encadrant, professeur Georges Lamont, et elle a présenté beaucoup de travaux sur le comportement des bébés après quelques heures ou quelques jours après la naissance. Et elle a placé des lots de femmes belles, jugées par l'expérimentateur belle ou normale, et ben les bébés cherchaient ce critère de beauté spontanément. C'est publié, donc j'ai pas la publication en face de moi, mais c'est un critère. Donc le bébé, après quelques heures, il cherche une beauté naturelle, forcément. Donc la quête de beauté est quelque chose de très important à développer dans notre environnement, parce que, entre guillemets, il est naturel, c'est-à-dire il commence très tôt. Il faut regarder les publications de professeur Scania de Chonen. Elle travaille à Marseille, à l'université d'Aix-Marseille. Voilà. Donc, voilà. Je peux le faire ici. Il n'y a pas de problème, je peux le faire là. Donc, on va enchaîner avec la troisième conférence qui va être présentée par notre collègue professeur Souad Kabounchouk et intitulée « Le vivant à la confluence des disciplines ». Madame Chouk, vous avez la parole. Merci, chers collègues. Merci, Madame la Présidente du département des sciences, d'avoir introduit cette matinée avec votre conviction affirmée de défendre l'interdisciplinarité qui est l'avenir justement du savoir et de la science. Alors mes deux collègues ont terminé leur conférence en me tendant la perche avec deux belles transitions. Alors Haf a parlé à la fin de sa conférence de, il recommandait de renforcer l'harmonie. Et Wajdi avait insisté sur la nécessité d'une approche systémique et interdisciplinaire. Deux belles transitions qui ont évoqué justement dans mes souvenirs récents une lecture que j'ai faite, une découverte d'un ouvrage qui a été récemment publié en 2002. Donc, le thème de notre journée, de cette matinée que je qualifierais de journée de gai savoir en référence au philosophe Nietzsche, vous savez que le gai savoir, c'est un savoir qui est complètement altruiste, c'est-à-dire qui n'a de but qui dépasse l'ego de l'intervenant, qui a le but suprême d'être utile à la communauté. Donc, l'intitulé de notre conférence, donc « Harmonie et disharmonie » repose sur une dualité à laquelle nous avons réfléchi. Et cette dualité, bien sûr, elle est inspirée du premier métaphysicien de Pythagore, a fondé sa réflexion, qui le père, l'harmonie d'ailleurs, 5 siècles avant Jésus-Christ, ça remonte aussi loin. Donc, pour Pythagore, l'harmonie, c'est les nombres, c'est la dualité, c'est tout ça, c'est mathématique. Alors, le livre qui vient de sortir, justement, il s'interroge, il pose une question très pertinente. À première vue, justement, l'harmonie, disharmonie nous oriente vers une préoccupation actuelle, concrète. Et nous nous sommes certainement posé beaucoup cette question en temps de pandémie depuis 3 ans.
Est-ce que la pandémie n'est pas une disharmonie, justement, que nous avons vécue, avec laquelle nous avons cohabité? Donc, je cite cet ouvrage collectif, d'ailleurs. Là, on voit tout l'apport de l'interdisciplinarité, de la collaboration entre communautés scientifiques devenues essentielles pour surmonter la complexité croissante des phénomènes que nous sommes en train de croiser sur notre chemin. Et donc, les auteurs constatent justement le grand changement du contexte scientifique qui a fait qu'avec le temps, cette approche a perdu, l'approche historico-déductive, elle a perdu son évidence. Ils regrettent d'ailleurs cela. D'ailleurs, les travaux de Georges Canguilhem, depuis 1943, insistaient sur l'importance de cette approche que Wajdi Sulaim nous a présenté dans sa conférence. Et l'importance de cette approche, malheureusement, les auteurs qui ont publié en 2022, sous l'effet de l'impact justement de cette disharmonie pandémique, se livrent pour s'interroger justement sur les risques liés à l'abandon donc de ce regard rétrospectif que nous avons fait ce matin avec la conférence de Wajdi Sulaim. Donc, dans leur résumé de l'ouvrage, justement, ils posent la question de savoir si on a vraiment, comme l'a dit Hafez tout à l'heure, intérêt à faire face à la désharmonie au lieu de cohabiter avec la désharmonie comme phénomène inhérent à la fonctionnalité systémique des systèmes évolutifs. C'est une bonne question, je pense, pour amorcer un débat assez actuel et peut-être qui nous évitera et qui plairait éventuellement aux anti-vaccins, par exemple, qui vous disent, bon, le virus, ça fait partie de la nature, faire c'est-à-dire se faire vacciner de cette manière-là, c'est ne pas cohabiter avec quelque chose qui est inhérent à l'évolution des écosystèmes. Donc ça, c'est une question que j'ai trouvée très intéressante, d'autant plus que le livre vient tout récemment de sortir. Alors, en complément de ce qui a été dit, et à partir de cette introduction, je vais essayer de revenir sur des concepts, et d'ailleurs c'est tout à fait normal que Hafez Abdelmalek parle de systémique, parce que nous devons ça justement, cette approche systémique aux biologistes. Je vais le dire et je vais le présenter. Donc, je vais revenir sur la théorie des systèmes généraux comme cadre conceptuel générique pour ce que j'appellerai dans le cadre de ma conférence, je ne parlerai pas de vivant tout court, mais de système vivant au pluriel, en relation avec la théorie des systèmes généraux, qui est le fondement, en quelque sorte, de cette pensée systémique. J'aborderai également le concept bon, bien sûr que théorie des systèmes généraux, elle nous a amenés loin et nous permet de se projeter à travers la théorie cybernétique qui en a découlé. Mais je vais un petit peu parler de ça, parce que ça fait partie de nos projections futures, en quelque sorte. Les futuristes, nous plaisons à nous projeter dans le temps, et en remontant. Nous aimons remonter le temps pour comprendre, dans cette démarche compréhensive, mais aussi de nous projeter, quitte à avoir, c'est-à-dire une tendance, peut-être même de fiction, d'imagination. Et je pense que c'est comme ça que le monde peut évoluer et changer. Donc, je terminerai bien sûr par l'interdisciplinarité qui est inhérente à l'évolution de tout système vivant. Donc, pour commencer, donc, je vais rappeler rapidement, bien sûr, j'ai regardé ma communication, je n'ai pas fait de slide, mais j'ai repéré les passages que je vais présenter ce matin avec, bien sûr, l'espoir que nos lecteurs découvriront le reste des éléments dans les publications de Beit al-Hikma et les conférences.
Donc, nous devons bien sûr la théorie des systèmes vivants à Gray-Miller, 1999-2002, qui est le fondateur de la théorie générale des systèmes vivants relative à la façon dont tous les systèmes vivants fonctionnent, sur la façon dont ils se maintiennent et dont ils se développent, changent également. Et par définition, les systèmes vivants sont des systèmes, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Hafer, ouverts, des systèmes ouverts, qui sont auto-organisés et qui ont les caractéristiques particulières de la vie et qui interagissent avec leur environnement. Donc, voilà notre définition que nous proposons pour justement ces systèmes de vivants. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur le cadre conceptuel général de la théorie des systèmes vivants. Donc, c'est la théorie des systèmes généraux. Alors, si on revient un petit peu au concept de système, on a tendance un petit peu à parler de ces notions-là et de les présenter comme si c'était des évidences. Or, il faut s'arrêter, je pense, parfois sur les définitions pour mieux saisir le sens du concept. Alors, le concept de système, bien sûr, découle de cet aspect architectural que nous ne devons pas perdre de vue, de l'organisme à la macromolécule en passant par l'organe. Et là, on est dans le lexique biologique. Vous allez voir que toute l'approche systémique, finalement, c'est l'œuvre de biologistes. C'est pour ça que je me sens confortable avec mes collègues et avec tous les biologistes qui sont autour de nous, bien que je n'ai qu'un regard d'épistémologue. Je ne suis pas biologiste, mais je regarde, j'ai une démarche compréhensive par rapport au vivant comme objet de recherche. Donc, c'est ma posture. Et c'est une posture complémentaire, éclairante pour ceux qui sont dedans. C'est ça la peur du regard épistémologique. Donc, les différentes définitions donc, du concept de système s'accordent sur le fait que c'est un ensemble d'éléments concrets. C'est ce que j'enseigne, c'est ce que je répète depuis 35 ans à mes étudiants pour leur expliquer le phénomène. Et je repose sur la métaphore et l'analogie avec le corps humain et la biologie. C'est ce que j'ai appris quand j'étais à Bruxelles en 1982, ça fait 40 ans. Mon professeur André Pousset, sur qui je me suis appuyée beaucoup ici, 40 ans en arrière, J'ai gardé toutes ces connaissances qui ont un référentiel biologique et qui m'aidaient à vraiment vulgariser et faire comprendre l'approche systémique aux étudiants. C'est très, très important à noter. Il y a même une formule S égale E, R, et qui est à la base justement de la définition d'un système. Alors, cette définition... bien sûr, comme toute définition, il n'y a pas de chose finie en science. Moi, je milite en quelque sorte pour dire à mes collègues, à mes étudiants, que la recherche scientifique n'est jamais finie. La vérité est toujours à rechercher, ensemble et jusqu'au bout. Donc, cette définition, bon, elle pose problème quand même. Moi, je suis très critique, c'est-à-dire, bon, quand je pose la question de l'harmonie-disharmonie, pourquoi rejeter la dissonance cognitive stressante pour aller vers le beau? Et le moche, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai entendu des amis musiciens qui me disaient, en réfléchissant sur le titre de notre conférence en arabe, on avait traduit avec ma sensibilité musicale, donc, Tenerum ou Tenacious. Et j'ai un ami musicien qui m'a dit actuellement en musique, et Tenacious musique. Je vous assure. Et là, je me suis arrêtée, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train de. Pourquoi je vais vers. Je rejette la dissonance cognitive par facilité, par confort, parce qu'on est habitué, parce qu'on veut pas. Et oui! Alors, quand on a un dyslexique face à soi ou quand on a un dys quelconque, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on intègre
cette disharmonie, et en psychologie, il y a beaucoup de problèmes de disharmonie chez les enfants. C'est de la disharmonie. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, je pose vraiment de bonnes questions qui m'interpellent en tant que chercheur et en tant que quelqu'un qui réfléchit sur l'environnement, ce qui m'entoure, etc. Et donc, dans cette démarche, on est dans la logique déterministe cartésienne pure et dure. On divise pour comprendre. Donc, c'est la démarche épistémologique retenue avec une préférence pour les modèles mathématiques linéaires dont nous augmentons en les additionnant les variables, les hypothèses, etc. Et cette optique factorialiste qui est dominante dans le système scolaire, même face à la pandémie, j'ai vu plein de collègues, chacun s'amener avec un modèle, mais aucun modèle ne s'est avéré vrai, ni bon, aucun. Tout le monde s'est planté. J'ai lu un article très, très intéressant là-dessus et qui dit, écoutez, il faut chercher les solutions dans les phénomènes sociaux et pas uniquement dans les phénomènes curatifs en regardant la chose. D'une... Est-ce que, moi, je pose encore une question ce matin. Est-ce que ce qui nous a sauvés de la pandémie, est-ce qu'il a sauvé certaines personnes qui ont rejeté le vaccin ? Et la pathologisation du phénomène, est-ce que ce ne sont pas les masques, les gestes barrières, plus que le vaccin qui nous ont protégés contre la disharmonie que nous avons vécue ? Et la question est vraiment posée. J'assiste à beaucoup de webinaires dans certaines associations. Et on est en train de poser ce genre de questions. Donc, voilà. Alors, où va m'amener ce raisonnement ? Bon, la théorie des systèmes généraux que nous devons, bien sûr, à l'action intégrative du biologiste autrichien Ludwig von Betterlinffy, 1901-1972, eh ben, c'est lui, il est le père de la théorie, justement, des systèmes généraux. C'est un biologiste. Elle va au-delà de la simple application de la théorie du système généraux, sa vision biologique. Alors, il dit, c'est-à-dire cette théorie, elle se propose de chercher au-delà de l'éventail toujours plus large de disciplines scientifiques spécialisées, des modèles systémiques de forme commune, c'est-à-dire isomorphes, afin d'expliquer un maximum de phénomènes à l'aide d'un minimum d'outils conceptuels. Formules, lois, principes, théories, renouant avec l'un des buts essentiels de la science, la recherche d'une économie maximale de pensée. C'est précisément le but de la formalisation scientifique. Donc, il critique ceci. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer en rejetant ce déterminisme, cet enfermement dans le carcan disciplinaire factorialiste. Donc, voilà le progrès. Alors, donc pour revenir à ce biologiste, toujours, on doit lui reconnaître également autre chose. Et surtout, de faire prendre conscience au monde savant de l'immédiat de l'après-guerre qu'il était temps de rassembler ses forces et de se souvenir des grands exemples de l'histoire des sciences en matière d'unification conceptuelle nécessaire de disciplines au pluriel de plus en plus séparées par de véritables barrières linguistiques. Ce que nous disons aujourd'hui par rapport à l'open science, par rapport à l'open access, par rapport au knowledge sharing, tout cela, on voit ici que juste après la guerre, la Seconde Guerre, il y a des penseurs qui ont pris conscience de la nécessité pour les communautés scientifiques de s'unir, de se solidariser pour faire face aux disharmonies de plus en plus fréquentes dans notre écosystème. Voilà, donc, voilà, je suis en train de lire les passages sans trop... Donc, m'étendre là-dessus, donc voilà ce que nous a amené la pensée réflexive, justement, de ces biologistes. D'ailleurs, cette théorie des systèmes généraux, elle a préparé
pour la théorie cybernétique. Et c'est très important, cette progression, cette ouverture interdisciplinaire qui a permis de créer, de générer, d'enfanter des disciplines qui ont préparé et qui préparent aujourd'hui le futur. Avec l'intelligence artificielle, la cybernétique, c'est la robotique, c'est les humanoïdes aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui a trouvé une assise pour avancer dans ce sens et aller vers un futur beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus connecté en ce sens. Donc, parce que l'intelligence, ce n'est pas le QI, hein, je ne le rappellerai jamais assez. L'intelligence, c'est la connectivité, c'est la capacité de tendre, comme le dit Newton, plus de ponts et de décloisonner. Enfin, il déplorait, Newton, le fait que les hommes ont tendance à construire plus de cloisons que de jeter des ponts, et il pensait au carcan disciplinaire et aux chapelles. Alors, la cybernétique comme science donc de la commande, comme vous le savez, chez les divers organismes, elle avait besoin de lois. Et elle a trouvé dans la théorie des systèmes généraux les lois qui lui permettaient d'avancer. Donc, et là, on revient à la biologie, et on se rend compte que toute la pensée cybernétique était fondée, en fait, sur le système nerveux de l'homme. Et j'ai un schéma, je l'insérerai dans la communication, qui décrit cette analogie empreinte, cette analogie qui est une transférabilité interdisciplinaire. On transfère du système biologique humain vers les nouvelles disciplines. Et donc, c'est une démarche qui a ses limites, certainement, mais c'est une démarche épistémologique qui, bien que représentant un cas particulier d'uniformisation des systèmes cybernétiques, elle a fortement inspiré la théorie des systèmes généraux et profité de l'acceptation de la diversité disciplinaire et de la transférabilité interdisciplinaire. Alors, voilà donc ce que j'avais à vraiment dire ce matin au sujet de ces théories qui ont ensemble construit un corps scientifique qui permet de jeter le socle d'une co-construction future. Là, j'arrive à la théorie de la complexité, comme je l'ai annoncé au début de mon intervention. Donc, le paradigme de la complexité est un paradigme très, très, très important de nos jours. Edgar Morin, c'est le père, bien sûr, de la complexité. Il a beaucoup écrit, il est presque centenaire et on lui souhaite encore longue vie. Sincèrement, avec Chomsky, on est en train de voir partir chaque jour les derniers penseurs, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, de ce siècle. Alors, donc c'est grâce aux critiques de la disciplinisation de la connaissance, dont les principaux auteurs, bien sûr, et tout à l'heure, Siyasdin Labri me parlait de Piaget. Alors, je lui ai dit, je cite Piaget, effectivement, on a un trio qui a beaucoup bossé sur la complexité, Jean Piaget, Herbert Simon, prix Nobel d'économie en 1972, et Edgar Morin. Alors dans ces auteurs ont créé ce qu'on appelle les nouvelles sciences. Alors, ces sciences, comme les sciences informatiques, les sciences de gestion, la technologie, l'architecturologie, les sciences de la décision, Herbert Simon, c'est lui, hein, les sciences de la cognition et de la communication. Ce sont ces élans, justement, courageux et audacieux de transférabilité et de transversalité qui ont permis des transferts de la discipline des mathématiques. Vous avez vu que Pythagore, c'est 5 siècles avant Jésus-Christ, et pourtant,
tous les élèves aujourd'hui dans les collèges, ils connaissent le théorème de Pythagore. Bien sûr qu'il a été discuté. Je me rappelle que Étienne Guis avait un petit peu pour alimenter le débat, a dit « Et si le théorème de Pythagore n'était pas vrai ?» Ben oui, c'est très bien de mettre c'est-à-dire ce débat sur la table. Effectivement, tout comme la géométrie euclidienne et celle de Poincaré, avec les géométries variables aujourd'hui, peut-on encore parler de géométrie euclidienne qui date de... Voilà, donc, entre parenthèses, ce que les progrès donc, et l'interdisciplinarité peuvent amener au savoir et à la connaissance. Et donc, Piaget, par exemple, psychologue, zoologiste, logicien, philosophe, malcologiste, j'ai regardé, hein, ne vous inquiétez pas, je ne peux pas laisser passer à terre, et là, je me suis rendu compte, pour vous, c'est normal, les biologistes, vous savez ce que c'est. Pour moi, bon, j'ai regardé, c'est la branche de la zoologie consacrée à l'étude des mollusques. Voilà. Donc, voilà, regardez ce Piaget, c'est l'interdisciplinarité incarnée dans un seul être vivant. Ce n'est pas par hasard que ce monsieur navigue dans les disciplines et casse les murs des carcans pour construire de la connaissance et ouvrir des voies et des alternatives pour résoudre le problème de la complexité croissante. Donc, nous avons montré dans ce qui précède donc, combien le décloisonnement entre les disciplines était important pour croiser les regards sur un phénomène aussi complexe que le vivant. Mais pourquoi le vivant serait-il complexe? C'est une bonne question. Comment définir les attributs de la complexité? Pourquoi? Comment? On va le dire, bon, on peut jeter un truc comme ça, oui, c'est complexe. Et alors, et comment? Comment savoir que c'est complexe? Quels sont les attributs, justement? Donc, pour apporter des éléments de réponse, justement, à ces interrogations, je reviendrai sur la théorie de la complexité des systèmes vivants et du développement durable. C'est important, parce qu'il y a un rapport entre ces deux concepts. Donc, cette théorie, elle est construite sur la confluence, intitulée de mon intervention, donc au croisement des disciplines, j'ai choisi ce terme de confluence pour montrer que, en fait, c'est des cours d'eau. Et là, on revient, les cours d'eau font de la musique, ils font de la beauté et ils font de l'harmonie. Et tous les choix des notions que nous avons mobilisées cette matinée reposent sur la musicalité, la beauté et l'harmonie. On est platonique, le bon, le beau et le vrai. C'est ce que nous voulions transmettre ce matin comme message. Alors, la théorie de la complexité, est-ce que j'ai encore combien de temps? Comme ça, je peux m'arrêter. Est-ce que je peux aller? D'accord, c'est bon. Donc, la théorie de la complexité, bien sûr qu'elle est modulée par l'univers, à la fois comme contexte spatial et comme partie émergente et créative, renfermant de nouvelles possibilités telles que perçues par les humains. Ce n'est pas moi, c'est Davis et Sumara, 2008, qui ont dit cela, je les cite. Alors, son utilité, elle se confirme par les défis et opportunités que présentent les ruptures, justement, d'harmonie ou l'émergence de structures dissipatives provoquant une dissonance cognitive chez l'individu, qui sont soumises à des flux de matière ou d'énergie, pour utiliser le lexique donc biologique. Et je commence à me familiariser. Hein. Alors, ces évolutions des systèmes vivants complexes, elles sont présentées comme des processus d'apprentissage, Piaget. Apprendre, c'est accepter de composer avec la complexité, l'ambiguïté et la confusion, au lieu de le rejeter, de les contourner en essayant de chercher des solutions déjà usitées et à laquelle nous sommes familiarisés. Et là, on est dans le refus du changement. Or, Euclide, encore une fois, il me vient à l'esprit ce qu'il dit. Il dit de tout temps, la seule chose qui n'a pas changé, c'est le changement.
comment peut-on refuser le changement qui est inhérent à la nature, qui est inhérent au système vivant? Peut-on commettre cette erreur? Donc, ces évolutions complexes, elles sont présentées comme des processus, je reviens, d'apprentissage. Et là, donc, je cite Bateson, 1979, page 48, qui dit que l'essence de l'apprentissage est exploration et changement. Un pont entre l'énergie et la matière obéissant aux lois de la thermodynamique. Alors, lorsque deux systèmes isolés interagissent, l'entropie dont Raph a parlé tout à l'heure, qui est le désordre et le chaos, augmente. Alors, elle est supérieure dans le système combiné par rapport au système individuel. Et là, c'est ce que Hawking nous indique. Donc, Hawking, 1998. Donc, aucune nouvelle énergie n'est créée. Et cette stabilité relative est une propriété cohérente de l'univers. C'est ce qu'il faut retenir. C'est un principe fondamental de la théorie de la complexité. Puisque tous les organes et les institutions, par exemple, socialement construites, qui émergent, subissent une augmentation constante de l'entropie inhérente au changement, à mesure qu'ils évoluent et interagissent avec l'environnement, comme des systèmes ouverts, ce ne sont pas des boîtes noires. On n'est pas dans les boîtes noires, on est dans des systèmes qui interagissent avec leur environnement, tout le temps représentant une homéostasie stable ou un équilibre intérieur. L'équilibre homéostatique, c'est ce qui fait qu'une entité s'adapte à son environnement, c'est ce qui fait que nous ne fondons pas quand il fait trop chaud ou que nous ne nous gelons pas quand il fait trop froid. C'est ça l'équilibre homéostasique. C'est ce que j'explique d'une manière vraiment simple à mes étudiants pour qu'ils comprennent ce sens de l'homéostasie inhérente au vivant et à l'équilibre du vivant. Donc, admettre la complexité, c'est en quelque sorte oser critiquer le formalisme en science avec ces deux tendances, celle du globaliste qui privilégie le modèle le plus général possible et celle du spécialiste qui prétend chercher le modèle qui s'adapte au phénomène étudié. Donc voilà cette dualité avec laquelle nous sommes obligés de cohabiter en tant que chercheurs scientifiques. Donc le réductionnisme, c'est le danger qui guette les disciplines. Et moi, je me demande si ce déterminisme, ce réductionnisme n'est pas ankylosant pour ces disciplines qui veulent rester dans leur trou et ne pas s'ouvrir aux autres donc communautés qui ne sont pas concurrentes, mais qui doivent être perçues comme complémentaires. Alors, bon, bien sûr que ces controverses existent depuis toujours et je pense qu'elles existeront, mais elles ont été constructives dans le sens, c'est-à-dire de l'évolution de la science, l'évolution des théories, etc. Et donc la complexification à travers l'histoire et la diversification des formes et processus biologiques, elle a permis justement avancer, de faire des avancées considérables. Voilà, il n'y a pas aujourd'hui, bien sûr, de définition. Vous allez me dire comment définir la complexité. Bon, mes lectures, mes recherches ne m'ont pas permis de trouver un accord sur une définition. D'ailleurs, la tendance aujourd'hui sur chaque axe de recherche, ça dépend. Étant donné le rapprochement entre les disciplines, chacun va regarder la chose, l'objet de recherche sous son angle de vue. Et d'où la prolifération et la polysémie des concepts et la multiplicité des définitions, qui est une bonne chose, je pense, pour le progrès scientifique. Donc,
J'ai une définition, mais bon, l'auteur de cet article assez récent, il rejette en quelque sorte l'entropie. Alors, l'auteur n'admet pas le fait qu'elle soit la complexité confondue avec l'entropie. Pourquoi ? Et moi, ça m'a séduit, cette argumentation. L'auteur dit que la complexité ne présente aucune régularité ni organisation. L'entropie ne représente aucune irrégularité ni désordre. Donc, de complexité faible ou nulle. Dans l'entropie, il n'y a pas d'acceptation d'un minimum de complexité. C'est le chaos. C'est le chaos, l'entropie. Alors que la complexité, c'est quelque chose qui va entacher cette entropie. Et je pense que cette nuance, elle est très, très pertinente. Et c'est un regard compréhensif qui permet d'avancer vers cela. Voilà, hop, qu'est-ce qui se passe ? Bizarre. Bon, mon ordinateur s'est éteint. Ce n'est pas grave. Je peux poursuivre pendant combien de temps ? 5 minutes ? Ok, écoutez, hein, je vais aller. Donc, interdisciplinarité, je termine sur ça, bien sûr. J'arrive vers la fin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bon. Il reprend. Même l'ordinateur n'aime pas la compétition du vivant biologique. Alors, c'est l'artefact qui veut s'imposer face au vivant humain. Bon, donc, mais bon, j'aurais été aussi à l'aise en terminant avec ça, sans regarder mes notes. Peut-être j'irai vers la conclusion ici. Donc, on voit bien que l'interdisciplinarité, elle a apporté beaucoup de choses. On la doit aux biologistes il faut deux choses essentielles pour assurer cette interdisciplinarité. Une acceptation de la complexité. Ne pas lisser la complexité, mais la regarder, l'accepter, cohabiter avec, c'est la résilience. J'arrive à un terme, la résilience. C'est le mot du siècle aujourd'hui. To cope with. We need to cope with complexity. Donc, il faut avoir cet état d'esprit, mais il faut aussi admettre deux choses, la transférabilité qui est un élément très important pour pouvoir passer d'une discipline à une autre. Et il y a des disciplines qu'on appelle des disciplines emprunteuses. Par exemple, les sciences de gestion, le management, c'est une discipline emprunteuse. On les appelle comme ça. Ils font partie des sciences molles, ils ne sont pas durs, mais ils sont intelligents. Intelligents au sens où ils empruntent. Alors, quand on fait une recherche en management, vous savez que l'entreprise, elle a été modélisée sur l'analogie biologique du fonctionnement des systèmes. Et donc là, c'est tout à fait naturel pour les spécialistes des SHS, sciences humaines et sociales. Les sciences humaines ont quand même leur théorie, mais les sciences sociales ont moins de théorie. Et pour cela, ça dépend si on se place sur l'axe RH, capital intellectuel aujourd'hui, etc., on va forcément aller vers la psychologie. Et si on est sur la dimension artefactuelle organisationnelle, comme c'est mon cas, donc moi je suis sur les systèmes d'information, et là on est obligé d'aller vers la biologie. Et c'est essentiel, parce que la métaphore biologique a été mobilisée pour construire les robots, pour construire l'ordinateur avant les robots. Donc là, on est baigné dans cette transdisciplinarité sans laquelle il y a des disciplines qui ne peuvent pas faire de la recherche, ni prétendre apporter une contribution de recherche. Alors, la transversalité, je voudrais revenir quand même sur ce concept qui n'est pas très, très, très couramment utilisé.
la transférabilité qui ne va pas de soi, la transférabilité. Vous n'allez pas dire, ah tiens, oui, il faut être interdisciplinaire, sinon ce n'est pas possible, on ne peut pas résoudre la complexité. Oui, ce discours, il est séduisant, mais comment les gens, ils vont vous dire, ils vont revenir chez eux, ils vont rester dans leur carcan, ils vont continuer sur leur paillasse, leur laboratoire, et ils ne vont pas avoir le temps ni d'aller regarder ailleurs, ni rien du tout. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis des années, et depuis des siècles même. Alors, elle repose sur un processus de décontextualisation, recontextualisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois prendre les résultats empiriques dans une discipline qui sont contextualisés, je dois les décontextualiser pour remonter à un niveau théorique et revenir pour les recontextualiser dans un autre contexte et créer une théorie. C'est ce qu'on appelle la grounded theory, la théorie enracinée, qui est un corps de recherche vraiment qui a porté beaucoup de choses à la transférabilité épistémologique et méthodologique. Donc, ce processus de transfert d'une notion ou d'un concept d'une discipline à une autre est désigné fécondant, et c'est comme ça qu'on parlera de transdisciplinarité. Parce qu'il y a une nuance entre l'interdisciplinarité, c'est entre deux disciplines, mais la trans, c'est vraiment avoir un transsibérien qui traverse toutes les disciplines et qui va piquer un petit peu partout pour concocter une épistémologie qui répond à la complexité du phénomène observé. La transversalité, elle renvoie à la compétence transversale. Alors, qui a permis de réaliser un transfert avec succès. Alors, la transversalité de la notion de science, sujet de controverse, elle est le fruit de ce transfert légitimé par une définition sociologique. Les sciences, c'est ce que font les scientifiques. C'est le point de vue des sociologues. Quand vous dites aux gens, c'est quoi les sciences ? Les sociologues vous disent, c'est ce que font les scientifiques. Ça renvoie à la compétence des scientifiques. Donc, la transversalité, elle est liée à la compétence du chercheur. Sa capacité de bien transférer, intelligemment transférer, et de ne pas massacrer la méthode transférée. C'est là tout le danger et toute la délicatesse. Et c'est très, très, très important. Il faut qu'il y ait des transferts heureux. Il y a des transferts malheureux qui bloquent l'interdisciplinarité. Et là, c'est un message qu'il faut écouter avec beaucoup d'attention. Donc, sans la transversalité des compétences, cette transversalité interdisciplinaire, par exemple, là je prends un exemple concret, donc nous n'aurions pas pu connaître, par exemple, la structure de la molécule en double hélice qu'est l'ADN et qui a donné au monde l'une des clés pour comprendre la complexité du vivant. Cette découverte qui vaut à Francis Crick, physicien de formation, regardez ce groupe multidisciplinaire, j'ai choisi ça exprès, que vous voyez concrètement de quoi je parle. Et moi, je ne vous cache pas qu'en préparant cette conférence, j'ai appris et je ne fais aujourd'hui que partager un apprentissage en toute modestie. Physicien de formation, donc, il a le prix Nobel de physiologie ou médecine, d'ailleurs, même en attribuant le prix Nobel, vu le profil multidisciplinaire de l'homme, on n'a pas compris dans quelle discipline il était. On a mis, physiologie ou médecine, en 1962. Ainsi qu'à James Watson, Watson, généticien et biochimiste, et aux Britanniques d'origine néo-zélandaise, Maurice Wilkins. Une autre scientifique, une dame, ML, malheureusement. Elle est morte 4 ans avant le prix Nobel. Malheureusement, parce qu'elle a beaucoup contribué à l'avancée, à l'obtention de ce prix, et c'est ce qui est signalé dans la littérature sur le sujet. Donc,
ce groupe interdisciplinaire, multidisciplinaire de par leur formation, avait une contribution importante justement dans cette découverte. Et sans cette interdisciplinarité entre physiciens, généticiens, biochimistes, biophysiciens, médecins, physiciens, cristallographes et physico-chimistes, la découverte de l'ADN n'aurait pas été possible. Et pour conclure, j'espère avoir été dans le temps. Alors, je dirais que si la complexité est fondamentalement considérée comme un phénomène physique de l'univers, ainsi qu'une incertitude cognitive, on va donc trouver des solutions durables aux problèmes mondiaux de la dégradation environnementale et sociale, ce qui constitue un défi de taille pour nous. Alors, nous avons tout au long de cette conférence argumenté pour le développement d'une vision systémique permettant d'avoir un regard non linéaire et moins déterministe, acceptant de gérer le chaos dans la solidarité entre communautés scientifiques. Donc, grâce à cette compréhension de la théorie du chaos, les systèmes vivants peuvent être mis en contexte avec une cohabitation durable, et la dynamique non linéaire force ces modèles pour examiner non seulement les processus physiques, mais aussi d'inclure les quantités socialement pertinentes et les impacts tels que la perte d'habitat, la disponibilité de l'eau, les risques d'incendie de forêt qui deviennent de plus en plus fréquents, la qualité de l'air, les cultures, la pêche, le bois, tous ces problèmes-là qui sont évoqués par des auteurs qui ont récemment publié, comme Bonan et Donné 2018, c'est tout récent. Et donc là, tout ça nous donc fait comprendre que le modèle devient de plus en plus complexe. Nous sommes confrontés à l'avenir à plus de complexité et donc nous devons être beaucoup plus résilients, encore plus résilients que nous le sommes aujourd'hui. Et surtout lorsqu'il s'agit de corréler les causes du développement humain, telles que la production d'énergie, l'agriculture, et trouver surtout un langage commun à tous les secteurs est une tâche essentielle en permettant à ces modèles de nous aider à apprendre, et à nous adapter à l'évolution des conditions environnementales et à préserver l'harmonie, tout en acceptant la disharmonie comme une conséquence naturelle des changements environnementaux et en la gérant avec cette posture d'ouverture sur les autres disciplines et de partage des connaissances en profitant de la démocratisation de l'accès du savoir et dans le prolongement des acquis précieux de l'histoire et de la préhistoire du vivant. Et je vous remercie pour votre attention. Et je vais enchaîner avec l'eau. Vous avez évoqué plusieurs fois l'eau. Moi, j'ai rédigé une publication en français sur la civilisation de l'eau. C'est une vision très importante. On associe toujours à l'eau la civilisation. La définition de la liberté émane de la circulation de l'eau. On associe le langage. On associe l'argent. Et le faisceau arché, qui est le support du langage, il a à peu près la lettre O aussi. Donc, c'est très important. À côté de ça, j'ai développé en anglais sur le STEM Education and Nature, et ce n'était pas par hasard. C'était orienté à mon enfance dans ma ville natale, à Bétine, où ma mère me plaçait dans les champs où il y avait l'harmonie, la mélodie et la beauté. Et c'est très important de sensibiliser les familles qui évoluent dans un milieu urbain, de consacrer des pourcentages de verdure et de nature dans l'aménagement des villes ou de programmer dans les écoles des séquences nature. C'est très important pour l'assimilation des sciences.
Et avec cette démarche d'harmonie, de mélodie et de beauté, par exemple, si on parle un peu poésie, parce que c'est très important de parler poésie. Par exemple, si on prend un passage de Bachar ibn Burd, وذات دل يخال البدر صورتها باتت تغني عميد القلب سكران إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلنا يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيان. Quand j'ai lu ce passage, j'étais à l'étranger, au Canada. J'étais très étonné comment ce monsieur, il tombe amoureux avec ses oreilles, mais je ne savais pas qu'il était aveugle. Ah ben oui. Donc, en fin de compte, cette harmonie et l'exaltation des émotions, elle n'a pas de voix. Et c'est pour cette raison, je suis parfaitement d'accord d'accepter l'harmonie et d'accepter la disharmonie. Après, si on essaye de passer au langage, عليك بعلم النحو الرمت حلية تزين بسلا بوتي تزين بها شخص ولا تفارقه لهزينة الألفاظ في كل موضع وفي كل حال من الحالات زينة المرء منطقه. Donc c'est la beauté aussi. Absolument. Et après, par rapport à la disharmonie et le chaos parfois dans nos sociétés et la souffrance parfois de l'élite qui est parfois agressée par le quotidien, eh bien, l'imam chef, il dit « Ma fal muqami li zi aqlin wa zi adabin min rahatin fada' al awtana wa khtaribi. » Généralement, la migration, c'est une conséquence de la disharmonie. Et on l'observe à l'université. « Safir tajid iwadan amman tufariquhu. Wansab inna ladhi dhal aishi fil nasabi wa ilula. Inni ara rukud al ma'i yufsiduhu. إنسان طابه أن لم يجري لم يطبي والأسد لولا فراق الغاب ولا الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصبي والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي سيد الأرغوني والتبر سلاق والتبر كالترب ملقى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن عز هذا عز مطلبه وإن عز ذاك عز كالذهب. Et le passage de Farid al-Attar, je vous conseille de lire le Cantique des oiseaux, parce que la langue arabe, elle est très riche. On parle, le mantak, en français, on traduit ça logique, mais en arabe, le polo mantak bahi, on a dit qu'il y a un bahi, donc le mot mantak, il signifie le raisonnement et la parole, et d'ailleurs le mystère du langage, il persiste. Donc, probablement, il y a dans le mécanisme de la supraconductivité et les paires de Cooper une circulation de l'information qui touche, parce qu'on peut parler sans parler, c'est-à-dire on parle à l'intérieur de notre cerveau. Donc, avec les paires de Cooper et le mécanisme de la supraconductivité, eh ben, il y a la circulation de l'information qui constitue le support du langage, et c'est quelque chose de très important à développer. Et Farid al-Din al-Attar, dans le Cantique des oiseaux, il dit d'une manière extraordinaire, « Si tu es amoureux d'un visage de beauté, sache que le cœur contient son reflet, et le cœur, c'est l'eau aussi. Oui. » Donc, apparemment, il y a une civilisation de l'eau. Il faut essayer de bien gérer l'eau, et généralement, les pays qui gèrent mal l'eau, eh ben, ils sont sous-développés. À chaque fois où on améliore notre vision de développement durable et de la bonne gestion de l'eau, généralement, on évolue dans une ascension de progrès. Par rapport un peu à l'intelligence artificielle, je vous renvoie à une publication de 2019 que j'ai préparée avec un collègue sur les robots humanoïdes et la question des émotions dans tout ce qui est robotique. Et d'ailleurs, en Finlande, il y a la maîtresse, elle s'appelle Elias, elle enseigne 23 langues pour les enfants à l'école. Elle est en fonction actuellement depuis quelques années, elle enseigne. Mais le problème, c'est quoi au juste des émotions dans les machines? Moi, j'ai utilisé un mot en anglais, mirror emotion.
C'est la projection des émotions de programmeur sur la machine, mais ça reste toujours des émotions. Donc, c'est une problématique très importante et je ne vais pas passer mes slides pour ne pas déborder, mais en fin de compte, cette musicalité et ces structures chimiques, moi personnellement, je travaille sur ça, peuvent jouer le rôle d'antenne par rapport à l'énergie. C'est pour cette raison, le niveau vibratoire, on n'est jamais insensible à une mélodie, on n'est jamais insensible à une beauté. Peut-être on est déprimé des moments, on est indifférent, mais une personne normale, eh ben, capte. Donc probablement, il y a une interaction entre l'énergie véhiculée par ces ondes, au sens large, et les structures chimiques. Et je pense que c'est très important de travailler sur ça. Et probablement, il faut travailler sur le poids des mots. Et moi, j'utilise un mot toujours, la notion de pâtisserie linguistique. C'est très important de développer des pâtisseries linguistiques, c'est-à-dire on arrive à bien choisir les mots. Parce que, en fin de compte, la communication, c'est l'unique moyen qui nous donne un minimum de confort dans notre quotidien. Et merci. Donc, je pense qu'on peut ouvrir le débat. J'ai voulu me déconnecter de l'approche scientifique pour qu'on retrouve comme l'eau notre liberté. Merci. Merci. Moi, merci beaucoup pour cette conférence parce qu'elle, en fait, elle pose les problèmes de la démarche maintenant et de notre responsabilité dans cette démarche de vouloir travailler ensemble et à éviter les guerres de chapelle et les barrières qui, en fait, ont été... Avant, les scientifiques étaient des érudits. Ils étaient à la fois philosophes, mathématiciens, musiciens, etc., biologistes. Aujourd'hui, nous sommes allés vers la spécialisation et la spécialisation la plus pointue, si bien que pour plus d'efficacité. Mais à un certain moment, les résultats très pointus doivent à un certain moment être intégrés pour avoir du sens et être applicables et avoir une applicabilité éventuellement dans d'autres domaines que le modèle expérimental ou scientifique dans lequel la loi a été où le résultat a été trouvé, où le modèle a été mis en place. Donc, la démarche, c'est quoi? C'est éviter l'hyperspécialisation ou bien dire nous avons deux types de scientifiques. Ceux qui sont hyper spécialisés et avec des gens de leur même domaine, plus ouverts sur les autres sciences et qui vont faire le lien et le pontage avec les autres parce qu'ils ont cette prédisposition d'esprit. Ou bien, on se dit que dans tous les cursus, il faut qu'il y ait cet apprentissage au moins d'une double compétence qui permette l'ouverture de la communication. Le problème, c'est un problème de jargon, un problème de référence, de standards qui sont spécifiques à chaque discipline et à chaque spécialité, qui font que la communication et la compréhension est difficile. Et donc, c'est apprendre le langage de l'autre, c'est apprendre aussi à simplifier certaines choses à l'autre pour qu'il puisse interagir et vous comprendre. Et de l'autre côté, il y a des choses qui peuvent être transversales. Il y a des problématiques, il y a des savoirs transversaux qui sont aujourd'hui, les élèves vont à l'école pour apprendre à lire, à écrire et compter. Et il y a un minimum de niveau de mathématiques, d'écriture, etc., et de maîtrise. Ça, c'est transversal. Mais je pense qu'on a dépassé cet aspect-là, puisque maintenant, celui qui ne connaît pas l'informatique est analphabète aujourd'hui. Donc, c'est un autre niveau de transversalité. Et là, l'informatique, avec justement
les systèmes complexes. Moi, je sais qu'il y a un master des systèmes complexes qu'a fait Walid. Walid, tu le connais, en France, et où on maîtrise, on apprend à décrire et à manager et à gérer les systèmes complexes qui ne sont pas uniquement la biologie. Ça peut être un problème de transport, ça peut être un problème sociologique, ça peut être les élections, ça peut être la pandémie, ça peut être les publications, les milliers ou millions de publications dans un domaine précis. Et donc, ça fait référence à des approches technologiques et à des compétences du data mining, et aussi de gestion de données. Actuellement, si on veut comprendre la complexité, il faut d'abord gérer le maximum de données et avoir le maximum de données. Or, les data centers qui sont actuellement détenus par les grandes puissances, et 60% des data centers sont en Chine. En Europe, pas beaucoup. Il y a les États-Unis et la Chine qui se partagent un petit peu le domaine. Ça, c'est une richesse qui est devenue l'or noir du XXIe siècle. C'est la donnée. La donnée traitée par les approches de l'intelligence artificielle. Et ça doit générer forcément énormément de connaissances et une meilleure compréhension de la complexité et une meilleure gestion de la complexité. Et ce que je suis en train de dire par rapport à ça, c'est que si nous ne sommes pas en train de gérer les crises, les problèmes de réchauffement climatique, les problèmes de pollution, etc., et le problème de vivre en harmonie avec la nature pour la respecter, et nous respecter nous-mêmes et assurer notre survie future et celle de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants, c'est qu'on a refusé, on était à un certain moment dans le déni de reconnaître qu'il pourrait y avoir des modèles justement de faire de la croissance économique en harmonie avec les rythmes biologiques et avec les rythmes de la nature. Là où il y a eu une véritable rupture et une vraie disharmonie, c'est quand la croissance économique le dieu, en fin de compte, du monde économique et social, et a créé une véritable rupture, des ruptures qui ne sont irréversibles. Et le problème, c'est l'irréversibilité. Quand il y a de la disharmonie ou des déséquilibres, ou des crises, c'est à la limite générateur de progrès, d'innovation, et la sélection naturelle se fait par pression sélective, de toutes les manières, c'est comme ça que les choses évoluent. Mais la modélisation et l'intelligence, et ça on peut c'est de ne pas savoir prévoir les ruptures irréversibles qui ont un impact négatif sur la nature, sur la planète et sur l'économie et sur la société d'une façon générale. Et ça, c'est notre responsabilité. Et je pense que savoir poser ce type de problématique, mais aussi savoir dire quel type de recherche et quel type d'interaction en interdisciplinaire ou en multidisciplinaire, avec cette capacité à interagir dans ce contexte, est notre responsabilité. C'est aussi notre responsabilité d'avoir un impact sur la formation pour que les générations futures puissent avoir cette démarche interdisciplinaire. Et je pense que là, on est, on arrive à gérer ces deux points, on aura résolu beaucoup, beaucoup de questions parce que ça nous donnera une méthodologie de travail et un cadre de travail qui arrangera pour tout le monde et qui sera forcément générateur de beaucoup d'innovation et de connaissances. Et merci. Je vais donner. Je voudrais réagir par rapport
Tu as compris que c'était moi. Oui. Alors, moi, j'ai envie, quand j'ai présenté la conférence, je me suis focalisée sur, en respect du temps, il y a des choses que je n'ai pas dites. Et là, le débat me donne l'occasion de revenir un petit peu là-dessus pour apporter des précisions. Alors, j'ai exploré dans ma démarche l'histoire de la formalisation, de la standardisation des disciplines. Et c'est un acquis extraordinaire pour l'époque où on s'est organisé. Pourquoi? Parce que si une science spécialisée ne crée pas ces standards, elle n'est pas enseignable, ML. Elle n'est pas enseignable. Le but de la formalisation disciplinaire, monodisciplinaire, c'est un acquis extraordinaire pour le progrès de la science. Et les partisans, comme moi et comme beaucoup d'autres aujourd'hui, qui sont qui argumentent en faveur de l'ouverture sur n'accepte pas la remise en cause de la monodiscipline. Au contraire, la spécialisation, c'est un acquis à préserver. On a besoin de spécialistes pointus. C'est nécessaire. Mais le danger, justement, face à la complexité, qu'est-ce qui est en train de nous pousser naturellement vers cette trans, inter et multidisciplinarité? C'est le changement. La complexification des phénomènes environnementaux, ce n'est pas un choix. On ne s'est pas gratté la tête du jour au lendemain. Donc, c'est presque une fatalité pour nous. Ce n'est pas un choix. Je n'ai plus aujourd'hui le choix de rester dans mon standard disciplinaire. Je dois aller plus loin. D'ailleurs, j'ai un schéma que j'ai trouvé dans le livre de Fourez, qui est très, très bien, où il montre tous les champs que médecin doit explorer pour comprendre, au lieu de mettre un malade dans une case et de cocher les cases, il doit intégrer, parce que le protocole qu'on administre à un Tunisien qui vit dans le sud tunisien n'est pas le protocole qu'on administre à un Tunisien qui vit dans la capitale, ni celui qui vit en France. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'on rejette, la standardisation, la généralisation, l'universalisation. Et c'est pour ça que j'ai pensé, que j'ai parlé de contextualisation, recontextualisation, qui sont des démarches non positivistes, mais plutôt constructivistes, éco-constructivistes. Et c'est là que vient l'apport considérable des 3 V, Vini, Vico, et le troisième, Vini, Vico. Ça va me venir, c'est un trou de mémoire. Donc, il y a ces 3 de Vinci. Voilà. Vico, Vini et Vinci. Ces 3 ont mis sur pied le pilier, le triptyque de la co-construction, bien sûr, avec Berger, Herbert Simon. C'est tout un courant. En même temps que la complexification, bon, ils étaient avancés par rapport à leur époque, mais aujourd'hui, on les cite parce que c'est des érudits, des gens qui ont anticipé, mais à leur époque, on ne les écoutait pas. Mais aujourd'hui, on y revient. Pourquoi? Parce que le changement a évolué et il a fait un update de ses connaissances précoces. Dernière chose que j'ai envie de dire par rapport à la formation. Il faut que les universités se spécialisent, aller vers des choses de plus en plus pointues. C'est une évidence. On ne peut pas remettre en cause, revenir en arrière. Mais et là, je rejoins beaucoup d'épistémologues que j'ai lus et qui posent la problématique justement des scientifiques qui travaillent sans trop se poser de questions sur l'intentionnalité des savoirs et proposent, ces auteurs, pour éviter de former de purs techniciens et techniciennes du savoir, qui ne savent que manipuler et qui ne savent pas lever la tête de la patte pour regarder à côté. C'est ça, comment dirais-je, une science utilitariste en quelque sorte, pragmatique, pour vraiment résoudre un problème immédiat sans se poser les questions sur l'écosystème. Et là, il recommande d'apprendre aux enfants, dès les classes préparatoires, à relier les observations
qu'ils font à leur finalité, cette déconnexion. Alors, vous avez des enfants qui font des maths en Tunisie, et nous avons posé le problème lors d'un colloque en 2019 organisé ici à Beit Hagma. Alors, ces enfants, je les ai questionnés, ils décrochent parce qu'ils ne comprennent rien aux théories mathématiques. Ils ont ils subissent un cours de théorie, ils ne comprennent pas. Et pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que le professeur n'est pas capable, c'est un transmetteur, un postier, excusez-moi le terme, entre guillemets, qui ne relie pas la connaissance théorique à la vraie vie. Et là, on revient à Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, c'est ça, il vous dit, la science, elle est faite pour expliquer aux humains les phénomènes qu'ils ne comprennent pas. Faute de quoi, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont tomber dans les bras des charlatans, dans l'ignorance. Et Auguste Comte explique cela, il dit que la religion, c'est la faute des scientifiques qui n'ont pas su expliquer la science, donner la rationalité requise aux personnes. Alors, pour terminer, aujourd'hui, en Finlande, dans les pays scandinaves, Hafez, tout à l'heure, vous aviez parlé des enfants qui vont dans la nature. Eh bien, les Scandinaves, qui sont très avancés dans leur système éducatif, alors, vous savez qu'avant, on punissait les enfants pour avoir fait l'école buissonnière. Alors, aujourd'hui, l'école buissonnière est l'école la plus reconnue dans les pays qui ont compris que la science est utile pour l'humain et que ce n'est pas de la théorie qui est déconnectée du réel. Voilà, Amel. Je partage entièrement l'idée qu'il ne s'agisse pas de faire du charlatanisme, de survoler la science. Il faut rester pointu et on sera de plus en plus pointu, sauf qu'on a besoin de cet équilibre ou de cette harmonie pour pouvoir naviguer entre une science pointue et une science ouverte sur les autres disciplines, de façon à pouvoir s'enrichir mutuellement, puisque ces vases communicants, on les voit et ils sont très importants. Le problème, c'est effectivement y arriver, que ça devienne quelque chose, non pas des scientifiques qui parlent leur langage pointu que personne ne comprend et qui sont dans leur tour d'ivoire, mais c'est d'arriver déjà, et ça, moi, je défends cela aussi, c'est que les scientifiques, tous, toutes spécialités confondues, qu'ils soient médecins, ingénieurs, peu importe, ont pour mission aussi de communiquer avec les autres et de se faire comprendre, pas en vulgarisant et en comme ça, mais en donnant l'information juste, parce que cette information juste, elle est, c'est un devoir citoyen. Absolument. Du chercheur et du scientifique, de devoir communiquer, non pas uniquement avec les autres scientifiques ou les autres chercheurs, mais aussi avec le grand public, parce que le grand public a besoin de savoir comment ces sciences sont en train d'évoluer et elles sont en train d'impacter sa vie. Parce qu'il aura un jour des choix à faire par rapport à sa santé, par rapport à son économie, par rapport à ce qu'il doit manger, etc. Et les connaissances scientifiques sont en train d'amener beaucoup d'informations et en tant que citoyen, il a le droit de savoir et de comprendre avec un langage juste, mais qui est à sa portée, et pas un langage de, disons, d'hyper spécialiste. Et ça, nous avons aussi ce devoir de le faire, et un devoir de former les jeunes scientifiques dans les différentes spécialités, de savoir communiquer avec les autres. Donc, il y a un problème de communication qui est important, et cette harmonie, c'est aussi de la communication. Exactement. Merci. Je vous remercie, cher professeur, vous trois, pour cette matinée très enrichissante. Je vais rebondir sur la notion de système, qui, quelle que soit sa complexité, il ne peut atteindre l'homéostasie que s'il interagit avec son environnement. Donc, aujourd'hui, la compétence numéro un requise,
c'est au-delà de la résilience et de l'adaptabilité, mais c'est l'intelligence collective. Donc, c'est ce qu'on demande aujourd'hui pour vivre justement en homéostasie, quel que soit le système végétal, animal ou humain. Et aujourd'hui, j'ai appris à remplacer le terme homéostasie par harmonie, parce que ça me rappelle plus la notion du bonheur et du bien-être. Et ça me rappelle la plus grande étude faite sur l'humain dans le monde entier et de tous les temps. C'est une étude qui a été faite justement sur le bonheur. Elle a été menée à Harvard University pendant plus de 80 ans. Et ils ont découvert le secret du bonheur, qui était justement tous les messages forts que vous venez de passer. C'est l'environnement épanouissant. C'est la bonne communication, c'est l'interaction constructive et positive. Et ça me ramène aussi à un concept que j'ai vu dans la Bible de la psychologie positive de Seligman, je pense, Martin Seligman. Justement, ça me ramène au concept One Health que professeur Rujdis Wilm a exposé. Donc, le top level du bonheur, ce n'est même pas de penser à soi ou à l'autre, c'est tout, mais c'est d'avoir cet esprit de penser éco, de penser à la santé animale, humaine et environnementale. C'est vraiment le top level du bonheur. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci. Bon, rapidement, je vais dire deux mots et après, chacun d'entre nous, il peut dire tout ce qu'il veut pour clôturer la matinée parce que ça ne doit pas être ordonné. On est bon. Voilà, on est bon, on n'est pas pressé. On est bon. Ah, parfait. Donc, on a bien géré. Moi, j'ai écrit avant l'intervention de Madame Amel Gaïd et Madame Chouk, il faut ramener à l'école, à l'université, la vie. Oui. Il faut ramener à la vie aussi la joie et le bonheur. Et on peut, en fin de compte, transformer les choses difficiles en jeu. Il ne faut pas avoir peur de jouer. Les gens qui rêvent plus et qui jouent plus, on peut les classer vieux, même à 15 à 20 ans. Donc, il faut continuer à rêver le jour et la nuit. Et bien sûr, on peut aborder cette problématique avec peu de moyens. Maître Jean-Sébastien Bach dans les couloirs de l'université ou dans les rues en ville, ça atténue l'agression. Mettre des posters ou des projections avec des vidéoprojecteurs au lieu qu'ils soient casés dans les laboratoires à l'université, projeter sur les murs des universités les travaux des étudiants dans le domaine de la nature, eh ben, ça peut ramener de la joie et de bonheur. Et ajouter à tout ça, notre pays est très riche en plantes aromatiques et médicinales. Exploitant ces senteurs, parce que ça nous pousse à imaginer et à rêver, à innover et à accepter l'autre surtout. Et je pense que ce n'est pas très difficile. On est dans un pays exceptionnel. Moi, je le qualifie toujours de mini-paradis. Il faut travailler sur la communication et il faut travailler sur l'homme pour rectifier ces quelques bémols et profiter pleinement de ce cadre. Pardon, si je ne veux pas retarder, mais juste pour une touche aussi éthique à la pluridisciplinarité, Rabelais disait « science sans conscience n'est que méthodable ». Et Madame Fatma, j'ai vu dans ses actes de colloque, elle transformait cette formule en disant que « science sans conscience » et la ruine de l'être et de l'univers. Et j'espère qu'on n'arrive pas à ce stade. Merci. Merci, Wajdi, merci, Hafa. Donc, je reste sur l'intervention de madame sur le bonheur. Je pense que cette matinée nous a offert, j'ai parlé de gai savoir, mais un moment de bonheur.
Personnellement, je l'ai ressenti. Pourquoi? Parce que cet espace était constructif, convivial, socio-responsable, qui sort de soi pour aller vers les autres, pour bâtir ensemble une connaissance utile pour ceux qui nous écoutent et ceux qui ont suivi ces trois conférences et qui nous ont honorés, même par leur présence virtuelle, en écoutant ces propos qui, j'espère, procureront le même bonheur qu'à notre intervenante qui fait partie de l'auditoire de ce matin. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Le département des sciences. Allez-y, Amel. Oui, Amel. Elle n'a pas le son. Elle doit activer son micro. Oui, oui. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, je tiens à vous remercier tous les trois pour ces présentations, pour cette ouverture, parce que c'est assez original que les universitaires abordent la question de la science tout en mettant de la psychologie, de la spiritualité ou autre chose. Donc, je trouve cette démarche très originale. J'ai beaucoup apprécié. Je découvre, donc, avec la casquette, la casquette du scientifique, mais du psychologiste, mais également une casquette très, très belle. Madame Chouk aussi, que j'ai eu le plaisir, on se voit un peu en webinaire, mais j'ai jamais eu le plaisir de la voir en face à face, et monsieur donc au milieu, donc c'est Swilem. Professeur voilà, donc je pense que ensemble il va falloir qu'on change de paradigme et qu'on change un peu le visage de l'université. On compte sur toi, voilà. Je compte sur toi et sur madame Chouk pour bouger un peu les choses et pour briser les tabous. Il n'y a pas de problème, Amel. Ça ne bouge pas beaucoup à l'université. Voilà. Donc, déjà, on est bien entouré ici. Et la prochaine fois, essayez de faire le déplacement. Et c'est notre vision. J'espère que Madame la directrice de département, sûrement, elle partage cette vision de développer des projets pluridisciplinaires qui abordent des problématiques qui peuvent commencer avec une approche fondamentale, mais qui doit aboutir une activité impactante quelque part. On voit le produit, soit dans nos universités, soit dans nos sociétés. Et merci encore, Amel. Ça fait merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on remercie le département, Beit al-Hikma, l'administration, le personnel, les conférenciers, les présents, soit ici dans la salle ou à distance. Merci. Merci, Hafez. Merci.